Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Des choses folles ce soir. J'avais juste envie de jouer à Magic. Comme je le fais tous les jours, hein. Je fais mes petites missions régulières à Magic. Merci, alors j'ai vu du sub, mais je vais remonter un petit peu. Oui, c'était Sarah Lahiri, je vous ai mis Sarah Lahiri pour patienter, parce qu'il n'y a pas de raison. Merci, quoi? Il y a trop de lumière là, c'est casse-couille. Hop, comme ça là. Salaud. Merci Lex Siramt qui dit l'interview était grave bien. C'est vrai qu'hier on a reçu Salomé Sake de Blast, Le Vent Se Lève, tout ça. Et c'est vrai que c'était sympa. Merci, Asukmat, merci, qui dit « Hey Usul, toujours un plaisir tes streams. Usul 2000, point faible, trop fort. » Trop fort quoi? Le volume? Ou moi je suis trop fort? Ornithogeek qui dit « Pas mal la vidéo sur la police qui dure 13 minutes 12, mais j'ai pas fait exprès. » J'ai pas fait exprès, voilà. C'est vraiment, je suis prêt à le... Elle déclarait sous serment, main sur le cœur, main sur la Bible. En plus, on joue plus Boros, on joue Lorehold maintenant. Ah bon? Bah voilà autre chose, c'est nouveau ces conneries. Si, ça se dit encore Boros. De toute façon, je vais vous montrer les deux decks là, avec lesquels je suis sur le ladder. Merci Maître Cantinier. De toute façon, on va pas y passer, on va pas faire une intro de 20 plombes. La revue de presse, c'est demain midi. Faut que je mette de la zig de jeux vidéo derrière parce que sinon elle va me casser les couilles. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce qu'il me propose YouTube là? Ah là, il me proposait des trucs bien, je vous ai mis du jazzouille en intro, mais. Qu'est-ce qu'il me propose rien de bien? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Vas-y, je retourne à l'accueil, je vais voir. Nuit Magic, c'est bon, on a vu, c'était marrant. Ah bah voilà, Relaxing Video Game Music Nintendo 64. Bon, c'est tout, oui, je sais pas si c'est les meilleurs, mais enfin, on va voir. Moi je me mets ça en tout cas. Ah si, c'est bien ça. C'est Mario, c'est la musique sous l'eau de Mario ça. Voilà, c'est pas trop fort. On est bien. Je vais même monter un peu chez moi, mon retour. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je disais? Alors, je remets le chat parce que sinon je vois pas le chat. Si je mets pas le chat, je vois pas le chat. C'est toujours pareil de toute façon. Merci, je sais pas qui a fait je sais pas quoi. Ça fait 100. Ah oui, c'est Losange Gros Chiffre qui dit « Excellent, la vidéo de Mister JD sur BFM TV, j'y retourne. » Ah bah oui, si, oui. C'est qui ton Planeswalker préféré? Je sais pas. Teferi? Parce que j'aime bien jouer contrôle, voilà. Bonne réponse? J'ai bon? Est-ce que tu voudrais refaire des lives sur l'avenir souhaitable, genre lecture de Lordon, c'était super. Ouais, je sais pas, oui, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Je suis en stream le 1er mai. Le 1er mai, j'ai une journée un peu chargée. Je suis en stream avec Bernard Friot, parce que c'est la fête nationale des travailleurs, hein. International, que dis-je, avec Bernard Friot à 16h sur... De toute façon, je ferai un tweet à ce moment-là, de toute façon. Et puis après, je suis avec Red Fanny aussi pour un autre stream le soir, jusqu'à 20h. Merde, je me rappelle plus. Bon, de toute façon, je tweeterai. Des travailleurs et des travailleuses, bien entendu, évidemment. Tu travailles le 1er mai, mais plus que jamais. Moi aussi, le 1er mai, ça me donne mal à la tête. Le 1er mai, je n'aime pas ça. Le 1er mai, ça me donne mal à la tête. Il y a un double Lordon tout neuf chez là-bas si j'y suis. Ah bon, de toute façon, il y aura aussi un hors-série, à mon avis. Enfin, il va refaire le tour des plateaux habituels. Génial, les passages de Dava dans OLG. C'est bien Dava, hein. Vous avez abordé la question du financement de Blast hier. Oui, on en a quand même un peu parlé. Mais, hey, tu sais, moi je vais pas être embauché par la télé d'ici longtemps, hein, donc moi faut que je reste quand même un peu bien avec les médias alternatifs, on sait jamais, hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Elle t'est un peu à charge ton interview, mais pas du tout. Mais vous êtes fous, en plus ça a duré une heure et demie. Non, on était plutôt d'accord sur pas mal de trucs. C'était pas du tout à charge. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise?
Il est bêtise, toi. Bon, alors, tac, voilà. Bon, je vais faire une ou deux parties de ladder là pour me chauffer, puis on est quand même là pour... Vous allez me dire si l'extension, elle marche aussi. Parce que j'ai essayé de remettre l'extension. L'extension, j'ai mis quoi? J'ai mis Deckmaster, voilà. J'ai essayé de mettre Deckmaster. Bon, alors, en ce moment, j'essaye un Sultai. Waouh, c'est super fort du coup. J'essaye un Sultai temporaire. Alors, il est temporaire parce que j'ai pas tous les terrains rares. Donc, pour l'instant, il est temporaire. Voilà. Ah, putain, il n'y a pas la chatbox. Parce que ça cassait les couilles, la chatbox sur le... Oui, peut-être, remarque, ça cachait un peu peut-être des trucs. Thomas Pesquet, il est vraiment de droite, mais j'en sais rien du tout. Salaud. Eh bien, c'est beaucoup trop fort, donc du coup, j'entendrai pas la musique. Bon, on va baisser un peu, quand même. Sujet de débat, Deus Ex, c'est de gauche ou de droite? J'ai pas joué à Deus Ex. Sinon, l'interview était intéressante, mais elle manquait un peu de recul sur les médias, je trouve. Après, difficile quand on est dedans. Oui, mais c'est vous qui êtes pas dedans, qui êtes complètement bourrin avec les médias. On peut avoir un peu de subtilité, bordel de cul. Sultai Ultimatum, bonjour à tous. Et 6 mois de soutien d'un antiraciste. Putain, mon cerveau a lu ancien raciste. Ah bon, c'est bien, t'as arrêté. T'as arrêté d'être raciste, c'est sympa. Bon, on va essayer le Sultai. Je l'ai pas beaucoup joué. Mais je crois qu'il est relativement débilos. Je l'ai encore jamais joué en ladder. Là, on est en classé. Alors, je sais plus en quelle ligue je suis. Mais je sais que je suis en classé. Il se passe quoi de beau? D'abord, je vais vous montrer mon deck Sultai. Et ensuite, je vais vous montrer mon deck. Mon deck Dimir Rogue débile. Mais ça marche bien le Dimir Rogue débile. En tout cas, c'est très agréable à jouer. Plus que ça, hein. Le Sultai, c'est pas très marrant à jouer, je trouve. Vous aimez bien, vous, jouer Sultai? Ouais, je vous ai mis mon déguisement de prof de fac. Merci, accompli. Alors, on commence par quoi? On commence par quoi? On commence par poser des... Bah, de toute façon, j'ai que des bilans de pourris. Ah non, celui-là, c'est un rare. On va le garder. De toute façon, on a besoin de terrain. On a besoin de plein de terrain. Parce que regardez les coups en mana de ces sorts débiles. On a besoin... Ah, est-ce que je pourrais jouer Tibalt? Oui, c'est possible. En plus, j'ai une place de l'arche. C'est sympa. Dimir, c'est cool. Oui, Dimir, c'est très cool, oui. Très sympa, le portrait. Oui, le portrait, tout à fait. Bah tout à fait, oui. Alors qu'est-ce qu'il veut, lui? Vos adversaires ne peuvent lancer des sorts que depuis leurs mains. Il me semble que je m'en bats les couilles. Ah non, je m'en bats pas les couilles. Je m'en bats pas les couilles. Bon, dans tous les cas, on va poser du noir. Quoi? Eh ben, je paye auto. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, on va rien jouer. Merci, Lalouk. J'ai joué que Sultai. Ah ouais, vous êtes très Sultai. L'extension marche toujours pas. Bon. Eh ben, c'est de la merde. Voilà. C'est quoi l'extension que les vrais joueurs ils utilisent? C'est la même que moi là? Pourquoi elle marche pas? Deckmaster, MTG, machin, overlay là. De la merde! Cosplay validé par le prof de fac que je suis. Enfin, que tu es. C'est, je te. Mais méga buff. Bon, au début de toute façon, tu te fais un peu enchaîner. On va prendre du noir, on va prendre du vert. Je sais pas, j'ai du bleu là, oui, on va prendre du noir et du vert. Tac, on va poser du vert. Et là, on a tout ça, ça donne un mana de la couleur que je veux. Hein. Oui, c'est ça. Donc, je peux même jouer l'autre en rouge, là. Bon. Maintenant, il va falloir clean un peu le board, parce que l'autre, il prend ses aises. Il prend complètement ses aises. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ouah, c'est quoi cette merde? Ah, putain, en plus, mon anti-bête, c'est des actes cruels, mes anti-bêtes, là. C'est pas bon, ça. Donc, lui, il fait quoi? Humain, les autres humains gagnent plus 1. Ah oui, donc on va le déglinguer. On va le déglinguer n'importe comment, En tout cas, on peut pas laisser ça sur place. Faut pas laisser ça comme ça, les enfants. Allez, zou. Ça dégage. Ouf. Et ça fait quoi au tour d'après? Chercher dans votre bibliothèque une carte de forêt. Bon, ça va pas m'aider. Oui, en fait, oui. Bah, c'est sympa, mais ça m'aide pas. Cardboard Live, la bonne extension qui marche bien. Ah ouais? Est-ce que je l'ai installé? Je vais regarder ça. Je vais tenter de le relancer. Hein. Parce que j'ai installé plusieurs trucs, mais peut-être pas activé correctement. Enfin, j'ai peut-être pas bien fait les choses. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça marche. Parce que je pense que pour le confort des gens qui suivent, c'est quand même mieux. Et puis là, je vais perdre, je pense. Hein, tout simplement. Est-ce que j'ai des anti-bêtes qui marchent? Alors, ça, c'est quoi ça? Les humains ont l'indestructible? Les humains légendaires ont l'indestructible? Ah bon? Bon, déjà, ça, on va le déglinguer. J'ai même pas lu le reste.
ça gagne un peu de temps, mais est-ce que je pourrais jouer ça là au prochain tour? Ça serait bien quand même. C'est quoi? C'est 7 mana et j'ai. Ah bah je vais jouer ça au prochain tour. Au prochain tour, je joue l'ultimatum. Là, je vais me prendre. Voilà, je suis à 2 points de vie. Il est temps de faire un ultimatum. Sauf s'il me flingue. On va voir. C'est GoldenEye. GoldenEye. Ok, on va faire ultimatum. J'espère que j'ai les bonnes couleurs. Oui, j'ai les bonnes couleurs. Il n'y a pas de raison. Est-ce que j'ai deux marées? Oui, j'ai les bonnes couleurs. On va faire l'ultimatum. C'est parti. Bon, on pose intérêt quand même. Parce que bon, le problème c'est que je peux faire que l'ultimatum. Alors, qu'est-ce qu'on a? Père. Génial. Donc on va prendre déjà le verdict des ombres. On va prendre la révélation parce que ça mange pas de pain. Et qu'est-ce que je peux prendre d'autre là qui tue? Non, ça me sauve pas. Ça me sauve pas non plus. Mais j'en ai plusieurs des maîtrises des ombres là. De toute façon, il me le faut à tout prix. Machin des ombres là, c'est où? Sinon, vous avez. Mais j'en ai qu'un? Extinction. Comment ça, non? Je sais pas jouer mon deck? Oui, c'est possible aussi. Bah, si. Et bah, ah merde, j'ai pris quoi? Ah, j'ai confondu. Bah, non, si, ça c'est bon ça. J'ai confondu événement d'extinction et verdict des ombres. Mais machin, ça marche aussi l'autre. Ça marche aussi. Bon, faut que je prenne un autre truc là. Je prends un truc au pif, je prends une bestiole, voilà. J'ai pris au pif. Macron extinction. Alors là, en fait, il doit choisir une carte qui va dégager dans les trois que je lui ai donné. Et par contre, je vais pouvoir jouer les deux autres. Comment ça, temps mort utilisé? Comment ça, je peux rien jouer? Vous pouvez les lancer sans payer le coup de mana? Eh ben. Oh, j'ai pas le droit de jouer de carte depuis un endroit ailleurs que ma main à cause de l'autre con! Allez, ciao! C'est tout pour moi, c'était Usul, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Évidemment! Parce qu'il est idiot! Parce qu'il est idiot, le gars! Il a pas. Et je l'ai lu en plus au début, j'étais là, oh oui, oh, bah de toute façon, j'ai vu, d'accord. Mais oui, bah il est bête, c'est pour ça. Alors on va essayer l'extension là, je vais essayer de régler l'extension. Je vais aller dans mon menu parce que je crois que je l'ai téléchargé. Vous m'avez dit c'est cardboard, mes couilles. Donc on va Deckmaster, je le dégage, enfin je le désactive. Désinstaller, vas-y, désinstalle-toi. Deckmaster, tu es une merde, Deckmaster. Et là, vous m'avez dit, il faut que je joue cardboard. Vous m'avez dit, c'est cardboard, je sais pas quoi, là. Pourquoi elles sont grises, les cartes? Bah oui, mais j'avais pas compris, mais j'ai compris après, quand même. Cardboard live. Bon, je vais taper ça. On va installer ça, ce sera pour... c'est pour votre confort. Hein. Puis j'ai envie de reprendre bien le Magic, là. Cardboard Live. The future of cardboard online gaming. Mais je m'en branle, le futur, machin, mes couilles. Là. Oui, c'est bien. Je veux l'extension, juste. Elle est où, l'extension? Pour les streamers, nanana. Augmenter l'engagement en fournissant des informations interactives et monétiser grâce aux commissions d'achat in-stream. Quoi? Mais je pourrais vous monétiser. C'est déjà bien assez monétisé ici. Alors. Liste de decks complète. Tiens, pour les joueurs. Magnagna. Est-ce qu'on peut faire comme il y avait avant vous savez, où vous pouviez voter là pour. C'était bien ça, quand vous pouviez voter pour les drafts. C'est possible encore ça? Cardboard live, ouais. Tu viens de commencer, accroche-toi, on est ensemble, on est une team, on t'aime, on te soutient. Achète tout, mais quoi achète tout? Alors je me connecte, je lui dis connexion, mais non mais je suis connecté. Je mets mon nom de Twitch. Non. Bah oui, bah non, bah du coup, faut que je me registre. Donc, mon nom, c'est Usul2000. Voilà, mon password, on va prendre celui-là. Voilà. Email, bah c'est mon email.
Voilà, je suis tout à fait Pierre Séverin, évidemment. Confirme password. Il est bien, il est long. I am a player. I am a player. Il me faut mon DCI number. Mais vous êtes fous, c'est quoi le DCI number? Eh ben, 12. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Eh ben, c'est quoi votre truc, la cardboard machin? Moi, je veux juste l'extension, cardboard live, je veux pas te donner mon DCI number, je sais même pas ce que c'est mon numéro de sécu, tu veux quoi? C'est ton numéro officiel de joueur MTG, mais je l'ai plus, c'est dans un coin, enfin, je l'ai plus, je l'avais, mais j'ai plus. Alors, pourquoi il me le demande, ce bâtard, et je peux pas avancer dans les... 12-13... Bon, cardboard live, extension, je veux juste l'extension, je veux pas m'inscrire à ton truc de merde là, c'est possible ça? Bah, how to enable mes couilles. Try here. Attendez, je vais peut-être lâcher. Ah, je l'ai trouvé directement sur Twitch. L'extension a bien été installée, configurée. C'est bon. Alors, donc je l'ai. Stream Magic Arena, oui. I want to use it. Turn on. Voilà, c'est turn on. Ok. Donc, Cardboard Live, je veux l'activer. Afficher overlay. Ok. Et voilà, parce que j'étais un peu neuneux. Et alors là, ça change quelque chose avec Cardboard Live? Ou faut que je relance un peu le jeu? Genre, je vais rejouer mon Sultai nul, là. Parce que là, peut-être avec un refresh sur le truc. J'ai refresh. On va gagner avec ce Sultai, bah j'espère. Si Dieu veut. C'est que in-game. Oui, bah on va y aller in-game, on va y aller. Waouh, c'est un peu pété ça. Ouais, il y a un peu plus de terrain, on va dire, ouais. D'accord. Vas-y, le monstre, on s'en fout, le monstre. C'est nul, les monstres, c'est pour les gens qui savent pas quoi jouer, ils mettent des monstres comme moi tout à l'heure. Ah, tu dépenses des sous dans le jeu ou tu joues full free-to-play? Là, j'ai dépensé un peu des sous. Bah parce que mon mode de jeu préféré, c'est le draft, moi. D'ailleurs, après, c'est ce qu'on va faire. Hein. Après, on part en full draft. Vas-y, je veux des terrains, là. Ah, j'aurais dû garder, j'avais culture. Je jouais à Arena il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Enchanter terrain, gna gna gna, pioche une carte, gna gna, ajouter, payer un point de vie, ajouter, gna gna gna. Quoi? Perd tous ces types et de... Ah, maintenant il me fait de l'incolore, c'est ça que tu me dis, d'accord, ok. Il me fait de l'incolore, oh bah dis donc. Bon, c'est pas très sympa comme malédiction. Bon, on bat les couilles, on va aller chercher un marais et une île, et on va se mettre bien. Hop là, voilà, là on a des terrains. On est déjà mieux. C'était pas un truc de sondage, non, non, c'était... On peut plus draft la baleine. Mais ça change rien du tout, mon extension. Ça change rien du tout, hein. Relance le jeu après. Oui, bah oui, on va faire ça. C'est une mec-épuf. Tiens, on va mettre du rouge. Ah non, ça retarde le moment où je vais pouvoir faire le truc, putain. Bon, ça, je le garde de côté. Oh, j'ai fait de la merde, j'aurais pas dû mettre rouge. Il n'y a qu'une carte qui demande éventuellement du rouge et c'est du late game, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, alors que l'autre, le tuteur en fait, c'est ce qui te sauve dans ce jeu. Un tuteur, c'est une carte qui te permet d'aller chercher d'autres cartes. Bon bah voilà. Les drafts, c'est forcément payant. Non, tu peux farmer de la monnaie in-game. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait un draft gratuit. J'ai fait 7, j'ai fait pas le max de victoires, mais juste avant le max. Au début de votre première phase, chaque adversaire prend 1, X étant le nombre de... De reliquaires, qu'est-ce que c'est que ces merdes? On pouvait piocher X, X étant le nombre de reliquaires, mais ça dégage ces reliquaires! Je suis complètement contre, on va commencer par celui qui fait piocher parce que j'aime pas ça, voilà. Tu vas faire plaisir d'enlever ce truc là. Voilà. Allez, on croit en toi, oui, moi aussi.
Faut télécharger l'app. Mais quelle app, putain de sa mère. Bon, c'est très sympa. Non, mais je veux dire, les gens sont sympas. Est-ce que je pète l'autre reliquaire? Non, je... Ça, c'est la question, ça. 1, 2, 3, 4, j'ai 7 manax. Bah, je pète pas l'autre reliquaire, je m'en fous. Pour l'instant, je m'en fous. Allez, hop, je fais une double forêt magique. Et c'est 5, hein, pour créer une bestiole, ok. Et ça, je peux le mettre en... Ah non, alors le verso... Non, je vais pas faire le verso, moi je veux... Je ferai le pas verso quand je pourrai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, au prochain tour, je pourrais éventuellement faire ça. Ça dépend de ce qu'il me met comme reliquaire à la con, là. Bizarre de pas jouer Yorion dans ce deck, mais j'en sais rien, moi j'ai pris, tu sais, moi j'ai pris une decklist, hein, j'en suis plus, moi je connais pas la méta, je connais pas, alors, un autre reliquaire, celui-là on va peut-être le péter, il fait quoi celui-là, vous pouvez chercher, ah c'est un tuteur, lui il a un reliquaire tuteur lui, j'aime pas du tout, et ben on va lui péter, voilà, t'as plus de reliquaire tuteur, par contre je sais pas combien de temps on va faire ça, on a un deck aussi con l'un que l'autre. Eh hey, mais franchement j'ai l'impression qu'il me met des decks quand il te voit jouer un gros contrôle débile, il te met un gros contrôle débile en face très souvent quand même, hein. Je sais pas comment ça se fait. Ah tiens, ça c'est bien ça. Alors, mettez des... Bon, on va poser ça tranquillou. Bon, elle va me prendre la tête. J'ai besoin de quoi là? J'ai rien qui pète les reliquaires là. S'il m'énerve ses reliquaires. Gna gna. Exiler une cible, créature ou planeswalker. Bah oui, mais j'ai écouté monsieur Pujadas. Forêt, explosion, transformation, loup-garou. Voilà. Donc j'ai transformé un terrain en loup. Et lui, pendant ce temps-là, il va aller chercher des dingueries. C'est de la merde, ça. Raid du pire, commando Ouria. Raid du pire, mais ils vont se faire chier parce que... C'est encore Wissam. Ils vont se faire chier. Parce que là, moi, je joue aux cartes. Grosse bestiole. Elle fait quoi, elle? Gna 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 gna. Elle va me tuer mon Planeswalker. Ça sert à rien que je défende. Allez, bah, tue-moi le Planeswalker. C'est bon, t'es content. Salaud, merci. Keraon. Je tombe beaucoup sur des gros contrôles débiles. Pourtant, je joue aggro. C'est peut-être parce que... je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi la prio? Est-ce qu'on nique son gros truc ou est-ce qu'on va, je dirais que je cherche... Allez, on va... C'est le moment! Ah non, c'est pas le moment? Ah oui, si, parce que faut que... En gros... j'ai besoin de quoi là? J'ai dit quoi là? J'ai... Du bleu... Ensuite, il veut 3 verts, je les ai... Ah d'accord, il me faut... Du noir... Et le noir, il est... J'ai choisi rouge là, en douille, mais non! Il est là le noir, parce que l'autre il me l'a transformé, faut que je paye un point de vie. Voilà, il est là le noir. Donc je vais chercher quoi moi? Qu'est-ce que je cherche? Avec tous mes anti-bêtes débiles. Bon, au professeur Onyx, déjà c'est bien. Une révélation d'Elrund, quand on sait pas quoi faire c'est pas mal. Et puis quoi? Ultimatum de quoi? Putain, je sais plus! Je vais prendre un truc au pif, attention ça va être nul. Ancêtre Gaguerote. Voilà. Ultimatum émergent. Ça c'est mon tuteur mais il est encore plus débile. Alors, le problème c'est que je peux aller chercher que des monocolores, c'est ça? Oui, des monochrome on dit. Monochrome, la seule couleur. On va commencer par machin. Ah oui, prof, ça va pas le faire. Oui, bah, j'ai le loup. J'ai le loup de merde. Voilà, on va faire le loup. Putain, non, mais c'est de la merde, ça. Il faut que j'en mette une où? Mettez une d'elle dans votre main, le reste dans le cimetière. Mais on s'en fout, c'est pareil. C'est pareil. Mais c'était sûr, en fait. Mais pourquoi j'ai que 2 tokens dessus, là? Pourquoi elle est arrivée avec 1? Qu'est-ce qui s'est passé?
Vorlinclin, ça créa, empêche les tokens. Quoi? C'est de la merde, ça. Vorinclex. Bah, je vais le buter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'autre sans token? Allez! Il a le piétinement, en plus, ce con. Bon, ouais, ça m'énerve. Allez, hop, je me casse. Allez, amusez-vous bien, je m'en fous du ladder. M'en fous. Jeu de débile. Oui, ça empêche les marqueurs, pas les tokens. Oui, j'ai dit token, je répète ce que dit le chat. Ah oui, il y a une grosse hype GTA RP, hein. Oui, j'ai regardé un peu, c'était très marrant. Mais moi, je suis pas dans la team Zerator et compagnie, donc du coup, moi, ils m'ont pas demandé. Hein. Mais peut-être un jour, ça peut être marrant. Ouais. Jouer à Magic sans rien lire, en fonçant comme pas possible, est-ce une bonne idée? Non. Et alors? Bon, on va faire un draft, hein, ça va être mieux. Hop, draft rapide. Faut lire les cartes. Et dans Strixhaven, il y a du texte, sinon il y a Isaac Repentance. Strixhaven, c'est le nom de leur... Ah ouais, la dernière extension, j'aime pas, c'est chiant. La dernière extension, elle est pas bien, moi, je trouve. Ah ouais, non, moi, je suis clairement en Ligue 2. Hein. Je suis en Ligue 2 du streaming. Bonsoir, Azazel. Si on joue à Farming Simulator. Allez, c'est parti, le draft. J'imagine que ça... Oh, merde. Attendez. Je peux retourner à l'accueil? Allez, on va relancer le jeu pour voir si ça marche avec l'extension, là. On va regarder ça. Je vais quitter et on va reprendre. Ouais, je quitte le jeu. Quoi, non? C'est vous ou non? Et là, je relance le jeu. La nouvelle extension en draft, elle est trop bien. Ah ouais, je sais pas, j'aime pas, moi. Moi, j'aimais bien. Je la trouvais un peu débile, mais j'aimais bien le truc avec la neige, là. C'était bien, le truc avec la neige. Bon, alors, reprenons le draft rapide. Vas-y, tac. Tac. Bah, il y est, le jeu, là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et là, vous avez rien, là? Même en faisant refresh? Et je fais refresh. Marche pas, hein. Putain, ça marchait avant les extensions, là. Extensions de merde. Strixhaven, c'est vraiment cool à drafter. Kaldheim, c'est trop de texte. Ah bon? Yo, Isul, merci beaucoup pour ton taf. Si tu permets une question complètement hors sujet qui me tue, Lupine, pourquoi personne ne parle jamais de Hello? Je sais bien qu'on ne peut pas parler de tous les micro-partis de gauche qui existent, mais on parle quand même d'un parti présent à chaque présidentielle au même titre que le NPA, dont on parle souvent, pourtant beaucoup plus. Y a-t-il des griefs particuliers contre le parti? Trop de sectarisme? Des positions troubles sur l'islamophobie? Ils ont évolué sur l'islamophobie, ils sont pas du tout sur, ils sont pas sur les mêmes positions qu'avant. Et sectarisme, oui, bah, c'est-à-dire qu'ils sont chiants, hein. Ah, je peux enlever le mode lent, c'est vrai, ouais. Comment on fait? Bah écoutez, j'arrive pas à enlever le mode lent. Voilà. Le Hello, c'est une partie des gamers. Non, mais le lutte ouvrière. Ah, merci Rio, qui a désactivé le mode lent. Bon, alors, on est parti sur quoi? Tant pis, je vais faire le draft tout seul, comme un grand. Alors, qu'est-ce que c'est l'arbre-monde? L'arbre-monde arrive sur le champ de bataille engagé, ajoutez un mana vert. Bon, tant que vous contrôlez au moins 6 terrains, les terrains que vous contrôlez ont ajouté un mana de la couleur de votre choix. Ouh, c'est très spécifique cette merde, hein. Je suis pas sûr qu'en draft... Bon, sinon il y a un arc, ça c'est bien. Passage vers l'arbre-monde. Après c'est un peu gaulerie, mais je vais quand même prendre la rare... au cas où. Et quand je le sacrifie, je peux chercher des dieux dans mes bibliothèques. Ouais, ok, d'accord. L'arbre monde, ça va pas être ouf, hein. Passage vers l'arbre monde. Quand l'arbre... Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Oh, ça casse les couilles. Ah, tiens, on a un méchant, là. Les autres créatures neigeuses, autres que zombies que vous contrôlez. Hein? Oh là, ouais, mais ça va être full neige, ça va être casse-couille. Bon, on va prendre l'arc. Il est bien, l'arc.
Bon, pour l'instant, je me fixe pas sur une couleur, à moins qu'il y ait des trucs bien. Donc ça, c'est un boomerang. Ça, c'est un drogue. Ah, c'est pas bien, la drogue. Hein. Attention. Hein. Le Jarl. Ressusciter les drogues. Les drogres. On a un gros géant. Oh, ça, c'est efficace, les gros géants. S'emparer du butin. Chercheur d'horizon. Ah, il est bien, lui. Et un troll à peau de glace qui est bien si t'as du mana neigeux. Voilà, bon là on est toujours un peu... niqué. C'est vrai que ça c'est chiant pour les drafts, le mana neigeux. Toutes les conneries à base de mana neigeux et de trucs neigeux. Quoi. Passager vers l'arbre monde, ça permet d'être très variable. Nia, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main et mélangez. Mettez-la dans votre main, c'est même pas un vrai boost. Tout ça pour chier un ours au bout de... Je trouve que c'est mieux chercheur d'horizon directement. Avec l'avantardise, il fait pareil. Bon, allez, on va pas... Je dis bon, allez. L'arc, c'est bien. Hein. Moi, j'aime bien l'arc. J'aime bien les armes. Voilà, j'ai pris l'arc. Alors, là, on a amulette du géant. Ça fait quoi quand... Ah, c'est bien, ça. Non ? Oui, c'est bien, ça. Moi, j'aime bien, ça. Parce que pour l'instant, je suis pas fixé sur une couleur. Mais ça, c'est vraiment bien. C'est des armes. Sauf que si tu payes un peu plus, elles arrivent avec un mec déjà dessus. Et donc du coup, c'est y a un bon tempo. Chaque fois que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, piochez une carte. Ça, c'est pour tous les trucs qu'on anticipation, machin, c'est pas débile non plus. Comment ça s'appelle leur truc d'anticipation, là? Ça a un nom, ça. Vous savez quoi? Là, je me prends trop la tête. Là, je me prends trop la tête. Je vais le faire à la zob, comme je le ferais si vous étiez pas là. Donc, on va prendre l'amulette. Non, ça me fait deux armes déjà. À moins que la chouette, elle est sympa. Elle est. Bah, en plus, j'aime bien son illustration. Et alors, ça, c'est bien aperçu du cosmos. Regardez, les trois quarts du sud-bibliothèque avec une dans la main, une en dessous, et le reste en dessous. Tant que vous contrôlez un géant, vous pouvez lancer l'aperçu du cosmos depuis votre cimetière en payant. Ouais, il y a un rouge-bleu géant que j'ai jamais essayé de faire en draft, qui a l'air un peu gaulerie. D'ailleurs, les deux marchent un peu, marcheraient un peu ensemble. Écrabouiller. Ah ouais, écrabouiller. Ouais, il y a un rouge-bleu géant qui a l'air bien débile. Le troll, il est bien débile aussi, mais il faut du mana neigeux. Il faut du mana neigeux. Donc ça veut dire que c'est des. Ouais. C'est des temps que tu passes à prendre du terrain neigeux au lieu de prendre une. Écrabouiller, c'est un bon removal. Rouge bleu, best combinaison, go rouge bleu. Vous voulez qu'on essaye rouge bleu? Eh bah, de toute façon, du coup, je prends l'amulette, voilà. Tant pis, j'aurai plein d'armes. On a une rune. La rune, elle fait quoi? Elle donne la célérité. On a une montagne enneigée. Est-ce que les géants, ils ont besoin de neige? Il me semble pas. Hein. Contrecarrer le sort d'artefact ou d'enchantement? Non. Remarque que ça coûte 1, mais non. Le faucon? Non. Si on part sur du rouge bleu. Tout à l'heure, j'ai fait un nain, j'ai un nain qui a fait 6 victoires, j'ai fait un deck nain qui était sympa. Ah, bah, il y a morsure de gel. Morsure de gel, c'est sympa, je veux dire, c'est sympa. Bah, pour 2, c'est un choc, mais qui est potentiellement amélioré. Donc, on va prendre la morsure de gel, puis il faudrait peut-être qu'on cherche des terrains neigeux. Hein. Bah, ça, c'est neigeux. Bon, et pour l'instant, on se fixe pas sur un archétype. On prend des trucs au pif. Enfin, non, pas au pif. On se fixe pas sur un archétype, on a dit. On prend les meilleurs trucs. Qu'est-ce qu'il y a comme meilleur truc? Bon, écrabouiller, c'est bien. Allez, hop, écrabouiller. Faudrait peut-être des créatures pour leur mettre mes armes, là, hein, quand même. Bon, ça, c'est pas ouf. C'est bien, ça? Créer un jeton de... Ah, oui, c'est bien, ça. Ah, ça vole pas, par contre, cette merde. Ça vole pas, mais ça chie des créatures. C'est la pression, ça fout la pression. Ça fait quoi? Tac. 3 blessures à un joueur ciblé, et ce joueur se défausse d'une carte. Ouais, ça peut faire peut-être pas la diff, mais enfin, quand même... Ça, c'est bien, ça, aussi, de donner la célérité. Et ça, ça fait du bleu et du blanc. On sait jamais, hein, les bilans de neigeux, on fait le bilan de Calme Monde. Échouage forcé, c'est un peu lourd. Un deck de catholique zombie. Merci, Jean Bison le Bison. Ok, merci le Jean Bison le Bison. Ça, je l'avais joué dans un rouge-vert, c'était marrant aussi. Je pars vraiment sur du rouge, là. Mais faudrait peut-être pas forcément partir sur du rouge. Renvoyer une carte de créature dessus. Ah, c'est bien, tiens, ça, c'est de la bonne vantardise aussi. Ah, c'est de la bonne vantardise nulle.
Ça me se tient. Quand elle... Regard 3, quand elle meurt, piocher 3 cartes si au moins 3 créatures sont mortes ce tour-ci. Oh, ça peut arriver assez rarement quand même, 3 créatures qui meurent d'un coup, à moins d'avoir un cleaner dans un espèce de bleu-blanc ou bleu-noir. Ça c'est sympa, donc je veux dire ça c'est sympa. Renvoyer un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Ça c'est sympa, mais faut jouer des counters. Le corbeau il est sympa, le corbeau il est vraiment sympa. On va peut-être prendre le corbeau au cas où. Sinon ça c'est quoi? Ça c'est exil des trucs, ça fout le jeu, ça fout le seum. On va prendre le corbeau, en plus j'ai l'illustration premium. Je sais même pas comment, je sais pas pourquoi. Ah si, c'est avec les maîtrises et les trucs comme ça. Merci Shrull17. Salut Zul, merci pour ton taf. Bon là je travaille pas hein. Là je travaille pas, je joue à Magic. Et j'ai pas pris de land, Bon, je sais pas quelle land prendre, je sais pas quel archétype je vais faire. Donc ça se trouve je vais faire un vert bleu. Créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté qu'elle arrive sur le champ. Waouh, sympa. Paris divin. Ah, Paris divin, oui, c'est sympa aussi en late. Gnagnagna, ça fait un elfe à la con, on s'en fout un peu. Oh, la carcasse. J'aime bien la carcasse. La 4-4 nulle, mais voilà. Sinon, le troll à peau de glace, quand t'as du mana neigeux, ça, c'est une tuerie. C'est une vraie tuerie. Vas-y, je vais le prendre, on sait jamais. On sait jamais, mais il va falloir se concentrer un peu sur le neigeux là. Tiens, ça, allez hop, on va prendre ça au pif. À moins que botte dédaigneuse. Oh! Contrecarré un sort balèze, ça se garde. Hein. Hop là, une petite botte dédaigneuse. Qu'est-ce qu'on a? Arachnoforme. Ouais. Berserker. Ouais. Ouais. Sinon, un faucon. Un faucon de glace! Un faucon de glace. Eh ben je sais pas, tiens l'arachnoforme, allez hop. Non, il me faut des créas. De toute façon, je sais même pas ce qu'il me faut. Je sais pas, les enfants, je sais pas. Allez hop, le berserker. On a fait l'impasse sur le blanc, hein. Pour l'instant. On a juste coupé, on prendra pas de blanc apparemment. Ça c'est bien aussi, hein, c'est quand t'as du gel. Et ça c'est quoi quand moins de blanc. Ouais, bon, ouais, mais ça... Non. C'est un grand nom. La rune, non. Nia nia nia, ça c'est bien. Et nia nia nia, pauvre con. Allez hop, il y a du bleu aussi, il y a tout. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a de toutes les couleurs. Dès qu'en on mixite. Mais ils me foutent quoi là? C'est quoi ces artefacts pourris où il faut que tout le jeu soit construit autour pour que ça marche? Les créatures que vous contrôlez ont tous les types de créatures. Pourquoi pas? Ça coûte 4 quand même, hein. C'est aussi vrai pour les sorts de créatures que vous contrôlez et les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille. Et ça chie des changelins. Oh, ça chie des changelins. Moi j'aime bien l'idée, ça chie des changelins. Ça chie des changelins quand même. On sait jamais. Provoquer les trolls, inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Si une créature subit des blessures de cette manière, elle gagne plus 5, plus 0. Hein ? Oh mais c'est cher pour ce que c'est quand même. Hein. C'est bien rush. Est-ce que je prendrais pas une île enneigée tout simplement? Oui, on va prendre une île enneigée parce qu'on est parti sur les Yetis. Vas-y, on va essayer de garder le bleu et les îles enneigées là. Alors, ouais, on va partir sur le bleu rouge. Hein. On est bien parti en fait sur le bleu rouge. Enfin, on est bien parti, tu parles. Allez, dès que je vois du bleu, dès que je vois des terrains neigeux bleus ou rouges, je prends. Qu'est-ce qu'on a là? Regarde, puis piocher 2 cartes, prédiction. Ah, 2 cartes! Avec prédiction, c'est pas mal ça. En éphémère. Ça, bon, d'accord. Bon, ça c'est blanc, ça, non. Écraser les faibles, inflige 2 blessures à chaque créature. Si une créature est ensuite... C'est un peu sympa pour niquer tous les tokens de tout le monde. C'est un peu sympa. Surtout que moi, mes créatures, elles vont être un peu balèzes. Ça va être des géants, des saloperies comme ça. Tiens! Un terrain neigeux bleu-rouge. Allez, on est parti. Bleu-rouge, c'est voté. C'est voté. Tiens, ça fait quoi, ça? Encore un truc qui fait un effet, là, quand tu le sacrifies. Sacrifiez-le. Il inflige 2 blessures. Et là, donc, je fais déjà regard 2. Il inflige 2 blessures à chaque créature. Ouais, ça peut servir. Allez-y, hop. Ça part en prod. Alors là, on a ni bleu ni rouge. On n'a rien, là. On n'a rien. On a un marais de merde.
Est-ce qu'on prend la carte des pillards? Pour 3, la 4-4. Chaque fois qu'elle attaque, regardez la carte du sub-bibliothèque, c'est un terrain pour les mettre sur le champ de bataille engagé. Ah oui, quand même! Je le prends jamais. Ça se joue, cette merde? Moi, ça se joue dans un truc un peu aggro, ça. On prend le véhicule? Allez, on prend le véhicule, on va regarder, de toute façon. Oui. On va regarder. Alors, augure du gel. Ah! Non, c'est une plaine. Regardez la carte du tuto de bibliothèque, c'est une carte neigeuse, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Ah, là, vraiment, ça se discute. Sinon, la carcasse, le voleur. Le voleur, il peut... Non, allez, on va prendre le prêtre, là, l'augure de gel. En plus, le bateau, il est joli. Oui, le bateau est joli. Écrasez les faibles. Putain, j'ai v'là, je vais... Vas-y, on prend. Ah oui, en plus, tout le monde joue des louveteaux de merde. C'est vrai que tout le monde joue des louveteaux. Donc moi, faut que je parte sur des créatures, un truc un peu sophistiqué au niveau des créatures, avec des yétis et des trucs. La curve est pétée, mais on n'a pas fini, là. C'est toi qui es pété. Quand il arrive sur le champ de bataille, regarde la carte du dessus de la bibliothèque d'un joueur ciblé, vous pouvez mettre cette carte dans son cimetière. Bon, écoute, pour 3, c'est une 3-2, hein. J'ai envie de te dire. Le louveteau. Allez, on va prendre lui, là. Dissolution. J'ai des CDs de dissoudre la dissolution. Est-ce qu'on prendrait pas le géant qui pue, qui fouette, qui prend ton cul pour une claquette? Peut-être bien que si. Hein. Peut-être prendre le géant. De toute façon, là, tout était... Il y a plusieurs trucs sympas, là. Et les brumes, ça fait quoi? Moins 3, moins 0. Ça peut aider. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf comme boost, mais enfin, ça peut aider. On prend, on verra. Ça, c'est bien. Non, ça, c'est bizarre. On s'en fout, ça. Moins 3, moins 0, c'est nul. 2 mana. Ah, ça, c'est polyflex. Soit j'ajoute 2 mana d'une seule couleur de mon choix et 2 mana d'une autre couleur de mon choix, c'est-à-dire, en gros, 1 mana pour lancer une créature, un enchantement. Soit les... Pff, c'est de la merde. Soit les créatures que je contrôle gagnent plus simple. C'est de la merde. C'est de la merde parce que je suis pas dans un mode aggro avec des petites créas, moi. Je suis dans un mode, je veux sortir des grosses bêtes. Mais va peut-être me falloir me les donner, les grosses bêtes. Parce que moi, j'ai trouvé qu'un géant pour l'instant. J'ai un géant et une carcasse. Ah, frappe double. Frappe double. Oh, tiens, une île enneigée. Oh, tiens. Peur paralysante. Choisis un type. Oh, ouais, tu vois. Ouais, non, on s'en bat les couilles. Hein. C'est bien, hein, mais on va rester sur le délire qu'on avait dit. Est-ce qu'on prend l'île enneigée pour aider les yétis? Ou est-ce qu'on prend la frappe double? La frappe double, quand vous lancez votre prochain sort, je pourrais le copier et choisir une nouvelle cible. Ça veut dire, en gros, je peux faire une double, soit morsure de gel, soit... Qu'est-ce que j'ai qui fait des dégâts, là? Ah, bah oui! T'imagines le combo écraser les faibles x2, bam, ça fait... Ouais, c'est compliqué. Niveau card advantage, c'est pas zinzin de claquer deux cartes pour juste faire un clean. Salaud! T'as pas eu de chance sur tes rares, hein. Non. J'ai pas eu de chance sur mes rares. Merci UCV Genjan. Un peu de pouvoir d'achat pour toi, camarade. Eh, sinon, allez, on prend l'île enneigée. Pendant qu'elle est là. De toute façon, on a besoin de mana neigeux. Forêt enneigée, moi, ça nous intéresse moins. Ensuite, là, on a quoi? Un truc de merde. Le marteau nain. Il est sympa, le marteau nain! Je crois qu'à chaque fois que j'ai gagné, j'avais utilisé des marteaux nains. Quitter le royaume. Ça peut être sympa aussi pour une créature qui ferait chier... Et que tu veux contrecarrer. En même temps, on a dit qu'on avait besoin de grosses bêtes. Bah, il y en a pas, là. Sinon, le corbeau, hein. Corbeau, hein. Il y a une 5-4. Elle est où, ta 5-4? Non, c'était la fois d'avant, ça, que tu dis. Un corbeau, hein. Corbeau, 3-3, c'est bien. Mais le marteau nain, j'aime bien, moi. Prendre le marteau nain. Allez. Deck rouge bleu, donc ni de gauche, ni de droite. Alors ça, c'est vert. C'est sympa, je veux dire, c'est sympa. Non, ça, c'est pas bon. J'arrête avec Emmanuel Todd. Là, il y a un corbeau. On me propose un autre corbeau. On me propose une dissolution. Jadès et d'aise. Ça, c'est bien, ça. Bah voilà, un éclair démoniaque. 4 blessures à une créature ciblée ou un... Oh, bah c'est très bien, ça. On va faire des blessures. Une autre morsure de gel. Allez, on a une petite batterie de sorts, là. Je réfléchis pas. Ah, tiens! À chaque fois qu'une créature ou qu'un planeswalker, qu'un adversaire contrôle subit un surplus de blessures, si un géant sorcier ou un sort que vous contrôlez lui inflige des blessures sur son type,
Bon, on va essayer, hein, de toute façon, voilà. Ils sont où mes géants? Pourquoi j'ai pas de géants, moi? Tiens, un géant. Carcasse veut, allez, on va prendre un géant en plus. Oh, il y a un fjord! Pensez qu'il va repasser, le fjord? Ouais, mais j'ai besoin de la carcasse. Écrabouillé. Allez, écrabouillé. Je ne lésine pas sur les sorts de dégâts. Hein. On va tout cramer, mon gars. Tout brûler, mon gars. Une petite folie furieuse, parce que ça mange pas de pain, ça boit pas d'eau, ça salit pas de verre. La frappe double, on n'en veut pas de la frappe double. C'est chiant, la frappe double. Qu'est-ce que j'en foute? Pas prendre une... Ah bon... Allez, hop. Quitter le royaume, renvoyer un permanent dans ses... Ça, c'est bien, ça. Allez, on va prendre ça. Quitter le royaume. Ça va permettre de temporiser. Exiler un artefact ou une créature ciblée, son contrôleur crée une 1-1 vol. Ça, c'est bien quand même. Hein. Ça, c'est un peu bien quand même. Je vais décéder. Alors, annonciatrice. Bon, allez, on part sur la forme du corbeau, là, parce que ça peut nous sortir de la panade, ce truc-là. Trois cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles dans votre main et le reste dans le cimetière. Ouais, un affineur de pioche. Marc, lui aussi, c'est un peu un affineur de pioche, mais en plus, c'est une créature. Pensons créature. Putain, tu m'emmerdes avec ta frappe double, je la prends, ok, t'as gagné, j'ai la frappe double. Très bien, t'es content? Allez hop, voleur machin. Et voleur machin, j'ai tout un set de voleurs à la con. Faut un compteur de Chirac, pardon. Alors, bon, l'amulette, est-ce que c'est bien? Oui, l'amulette, c'est bien. Augure de gel, c'est bien. C'est bien, hein? Regardez la carte de la carte neigeuse pour la révéler. Ah, c'est une carte neigeuse. Mais au pire, je la regarde, quoi. L'intruse, je suis pas sûr qu'on en ait énormément besoin. Pour l'instant, la tège. Morsure, on laisse. Arc, on laisse. Annonciatrice. Que pour prédire une carte de votre main ou lancer un sort d'éphémère. Oui. L'annonciatrice, oui. La botte dédaigneuse, elle est sympa. Les brumes de machin, pour l'instant, je les tège. On verra s'il y a besoin. Le quitter le royaume, je laisse. Le berserker, machin. Folie furieuse. Frappe double, ça dégage. Voilà. Folie furieuse, oui. Marc, tu me diras, frappe double sur folie furieuse, c'est sympa. Bon, enfin bon, faut s'imaginer, tu sais, tu t'imagines toujours les meilleurs combos. Sauf que t'as rarement les bons éléments. On est quand même en draft, ça va sortir n'importe comment. Des fois, tu fais 3 games, il y a une carte, elle est jamais sortie. Bon, folie furieuse, de toute façon, c'est génial, donc on laisse. Ça, on a dit, ça fout un peu la pression, ça fait des petits nains. Bon, ça dépendra de la curve. Le voleur... Ça crée des trésors, donc ça va permettre de jouer éventuellement les trucs un peu plus rush pour la suite. Mais faut avoir des petites créatures qui soient mortes avant. Hein. La forme du corbeau, ça on le laisse. Bon, niveau tour 4. Attendez, on va prendre la... Tac, voilà, on voit mieux là, comme ça. Voilà, alors là, on se dit. On a quelques tours 1, on a deux morsures. Oh, on a pas mal de tours 1 d'ailleurs. Enfin non, finalement, non. On va jamais... On a que l'augure du gel en vrai tour 1. Ça, on le jouera pas en tour 1. Si, on jouera peut-être en tour 1, j'en sais rien, on verra. Bref. Là, niveau tour 2, on a la libératrice, pourquoi pas. Les voleurs, bof bof. L'annonciatrice, elle est bien. Pour l'instant, de base, on a envie de dire folie furieuse. On a envie de dire que lui, il est peut-être pas petit. Hein. Voilà, hop, on le dégage. La carte des pillards, ça dégage. Ça, ça a l'air rigolo. On va regarder ce que ça fait, si c'est utile un jour. Les trolls, ça dégage. Ça, ça dégage. Le marteau de nain. En fait, ça, c'est le genre de carte, c'est comme l'amulette du géant. C'est intéressant pour rentabiliser le mana à la fin. Pourquoi pas? Écraser les faibles, est-ce qu'on en met deux? Pourquoi pas? Éclair démoniaque, on le laisse. Le voleur, on va regarder la forme de corbeau, on la laisse. Le voleur, on va regarder combien on en a besoin à la fin pour la curve. Mais a priori, pas 4. A priori, 3, peut-être. Le Nexus, ce qui va nous permettre de chier des créatures, donc potentiellement des géants, vu que ce sont des changelins. Donc ça peut matcher avec machin et me faire piocher. Bon, je suis pas sûr que ça sorte jamais comme ça une seule fois, mais enfin bon. La recruteuse, elle dégage. Le Yeti. C'est pas un géant, le Yeti. C'est pas non plus un Yeti géant. Ça, ça dégage. J'ai combien de cartes, là? 45. Ok. 45. De toute façon, il faudra encore tèche des trucs. Géant et sorcier. Bon, ça, c'est un magnifique géant. Là, on est d'accord. Et des écrabouillés. Et un gros géant. Bon, je suis pas nombreux, c'est pas zinzin hein, ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai comme terrain? Des trucs qui cassent tout. Bon, l'idée, donc du coup, l'idée dans l'absolu,
Que de tes landes. Toi, que de tes landes. Comment ça, que de tes landes? Qu'est-ce que tu dis? J'ai combien? J'ai deux îles enneigées, j'ai un fjord. Ah, j'ai que trois terrains neigeux, hein. J'ai que trois terrains neigeux. Bon. Qu'est-ce qu'on cute? Ça, c'est pas mal les voleurs de pensée de rogue, parce qu'en fin de game, tu pioches ça, ça t'évite de repiocher un terrain alors que t'as déjà plein de terrains. Cut le Yeti. Pourquoi cut le Yeti? J'ai pas non plus beaucoup de trucs forts, hein. Le Yeti, c'est un des rares trucs forts. Le corbeau, je sais pas s'il est... Bah, le corbeau, il est fort tout seul, en fait. Ce Yeti-là, il est mignon. J'ai besoin quand même de trucs qui ont un peu de corps, quoi. Les 3-3 et les 4-4, j'en ai que 3, en fait, des 3-3-4-4. Sinon, le reste... Écrabouiller, ça claque. Écrabouiller, ça claque. Ça, je laisse les deux. Le Nexus, ouais, c'est celui qui chie des trucs. Et putain, j'ai vraiment pas été gâté avec les rares. Sinon, qu'est-ce que je tège, là? Qu'est-ce que je tège, les enfants? Ah bah, peut-être eux, là. Peut-être eux, là, ces petits tours 2 un peu médiocres. Faut que je tège plein de trucs, là. Allez, vas-y. On tège les petits médiocres, là. Et puis peut-être... Non, la folie furieuse, on la laisse. Quitter le royaume, botte dédaigneuse, annonciatrice de Kadhafi. Écraser les faibles, peut-être on peut en laisser qu'un. Cut augure. C'est quoi augure? Corbeau de l'augure? Vous voulez que je tège ma seule 3-3 vol? Mon seul truc qui vole? Marc, tu me diras, les autres, je vais les niquer. Je ferai jamais 3 blessures, hein, j'aurai jamais mes 3 terrains neigeux. Hein. Alors Marc, il faut avoir des permanents neigeux, ça veut dire que les créatures comptent. Nabil. Voilà pourquoi l'augure du gel, je vais pas la tège. Elle est bien l'augure du gel, vous avez craqué, vous. On ne tège pas l'augure du gel. Bon, en gros, le point fort de ce deck, s'il a un point fort... Bon, allez, il y a des trucs qui vont pas du tout avec, genre, c'est vrai que le corbeau, ça va pas. Ça rentre pas dans la même temporalité. La carcasse, évidemment, on laisse les deux. Peut-être le Yeti. On peut cut le Yeti. Après, il est imbloquable. Moi, j'ai pas de voleur et de saloperie comme ça. J'ai le marteau nain, là. J'ai pris le marteau. Il est là ou il est où, le marteau nain? Oui, j'ai le marteau nain. Le marteau nain, l'avantage, c'est qu'il va me donner le piétinement à mes géants. Ou à mes n'importe quoi, d'ailleurs. Donc, on va le garder. Éclair démoniaque, c'est merveilleux. Ça, c'est juste merveilleux. Je peux peut-être virer un voleur. Mais les voleurs, ils vont permettre d'encaisser un petit peu, de gagner du temps. Corbeau, c'est bien. Ouais, corbeau, c'est bien. Augure du gel, c'est de la turbo merde. T'as trop de land en vrai. Enlève forme du corbeau. Forme du corbeau? Mais ça dégage soit un artefact, soit une créature. C'est trop bien. Non, la 17 land, c'est la moyenne en draft. Bien, puis là, c'est pas un deck rapide. Je vais pas le virer à 16 land. Faut que je tège encore deux trucs. Salaud. Ça, c'est bien, ça. Ça retarde un peu, c'est casse-couille. Est-ce que je... Ouais, le Yeti, ça peut être des points dans la gueule qui passent à tous les coups. Ouais, je sais pas. Vas-y, je le tège. Je tège le Yeti et je tège... Vous m'avez dit la forme du corbeau? Non, la forme du corbeau, c'est un anti-bête. On tège pas un anti-bête qui marche. Peut-être je tège un écrasé les faibles. Voilà. Allez, hop. Voilà, comme ça, il m'en reste un. Allez, on essaye ça. Allez, on essaye ça. Ça pond une 1-1 vol qui te tue. Mais non. La courbe de mana est magnifique. C'est vrai? Putain. Quoi? J'ai un gros tour 3, quoi. Non, elle est bien, ma courbe de mana. Elle est bien, c'est vous qui êtes magnifique. Il te fait un gros fuck, la courbe de mana. Allez, on va tester ce petit deck bien sympathique avec lequel, à mon avis, on va se faire rétamer parce que, franchement, le draft a été nul. Objectif 3 victoires. Objectif 3 victoires, hein. Ça joue bien, bon deck? Non, c'est nul. On a que des montagnes. Eh ben, on garde, tant pis. Putain, c'est dans la chanson, ça. On a que des montagnes. Ok. C'est contre des vrais gens. Eh oui, c'est contre des vrais gens. Alors, j'ai déjà le écraser les faibles que je peux prédire. Hop, ça part en prod. En plus, il joue blanc. Hein, il joue blanc, ça peut lui faire bien mal au cul, hein, écraser les faibles sorti au bon moment. C'est pas un éphémère. Je me disais aussi, ce serait un peu balèze quand même.
Ouais. Alors, j'ai mon premier géant. Mon premier géant ? Putain, et après, ça veut plus. Et après, ça veut plus. Bah voilà, ça veut plus. Bon, je peux jouer un éclair démoniaque pendant son tour, parce que, hein, Red Day Queens... Dégager un terrain ciblé, un terrain des jeux ciblé. Bon, écoute, ça saute sur écraser les faibles, a priori. Donc on va pas gâcher un éclair démoniaque là-dessus. Après, ça lui... Ah, ça va pas. Oui, bah je vais faire prédiction là-dessus, super intéressant, génial. Et une île, ça t'arracherait la gueule. Putain, je crie, merde, je vais encore me faire engueuler, moi. Combien de victoires? Vous avez parié sur quoi? 1, 2? Combien de victoires? De 1 à 2 victoires? Putain, vous êtes des bâtards. Il y en a qui prédisent quand même un 3-4. Ah, ça va. Color Death. Et c'est la Color Death. Alors, c'est quoi cette merde? Ah, génial. Génial, génial. Le truc increvable, quoi. Bon, bah, écoutez, on est bien, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est dans un bon mood. Après, pour 1... Ah non, il me manque aussi un terrain si je veux faire écraser les faibles plus éclair démoniaque pour achever la grosse. On va voir, hein, mais donne-moi un terrain juste. Putain, merci Denchar 2020. Mais vas-y, mets des merdes. Il veut mettre un marqueur +1/+1 sur qui? Mais mets un marqueur +1/+1 sur ta mère. Mais bien sûr, allez. Ouah, t'as une grosse cassette. Mais moi j'ai 4-7. J'ai un 4-7! Red Day Queen, non? Bah ouais, mais il me faut juste des terrains de temps en temps. Et puis en plus, il va utiliser l'autre pour dégager, il va rejouer un truc. Eh mais c'est l'angoisse, fausse angoisse. Prédit l'éclair. Quoi prédit l'éclair? Ah! Non. Ah, il a une prédiction. J'avais même pas vu parce que je suis bête. Vous avez raison, j'aurais dû prédire l'éclair depuis longtemps. Merci Sacha Ophastora. Qu'est-ce que c'est encore que cette merde? Je sais pas, mais moi j'ai rien. Bon bah je crois que la première, elle va être compliquée. Elle va être un peu compliquée celle-là. Qu'est-ce que je fais? Je pète... Vas-y, je pète un truc avant de partir, moi. Allez hop. Vous m'aurez pas. Chien de capitaliste, je partirai pas comme ça sur du rien. C'est qui les trous du cul qui me disaient enlève un terrain? Bah vous êtes vraiment des grosses merdes. Allez. Tant pis. It's now, plus tard. Voilà, on regarde comment on peut gagner du temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bon, d'accord. Oui, je sais ce que c'est que ça. Et bam, 4 dans ma race. Excellent, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Allez, le marteau nain. C'est le moment du marteau nain. C'est exactement ce dont on avait besoin. Eh ben, je peux pas payer. T'as gardé une main éclatée en même temps. Mais non, avec une île tous débloqués. Mais bon, évidemment, j'aurais pas une île. Honoré de Balzac. Est-ce que j'ai l'air d'en être à te parler de Onfray à un moment? Ou est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Alors, c'est dead, hein. Dead, la meuf est yes. Magnifique nexus de mes couilles. Bon, allez, ciao. T'aurais dû mulligan. C'est toi qui aurais dû mulligan. En même temps, je suis en niveau platine 4, hein. Les gens, ils touchent en face. J'ai tenté au moins. Ouais. A ton avis, je pense quoi? Bah, poursuivons la conversation, sauf que moi je suis occupé à jouer à un jeu là, si tu veux. Mais toi, tu penses quoi de Onfray? Voilà, je te retourne la question. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux, on peut en discuter. Mais pas à partir de mes développements, mais des tiens. Ah! Bon, cette fois je me ligane. Ah, bah c'est mieux! Ah bah c'est mieux. Je tèche quoi? Je vais tèche la folie furieuse. Je tèche la folie furieuse. Elle est où? Elle est... Al! Non, je vais tèche le nain là, le marteau nain là. Non, parce que peut-être j'en aurais besoin.
Je tâche la folie furieuse. Allez, c'est parti, mon kiki. C'est parti, mes terrains neigeux. C'est quoi les règles? C'est qu'il faut gagner. C'est parti, le bûcher au bûcher. Hop, et puis tour 3, martonin avec rien dessus. Alors, c'est combien? C'est 3 de plus. Non, c'est 6 pour que ça arrive avec une créa dessus. C'est un peu long. Ah! On va pouvoir jouer Jojo le rigolo. Aegar, la flamme gelante. Chaque fois qu'une créature ou qu'un planeswalker qu'un adversaire contrôle subit un surplus de blessures, si un géant sorcier ou... D'accord, ok, bon. C'est pour les trucs qui tapent, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un marteau nain pour faire les surplus de blessures, ça peut être sympa. Et puis on a le zombie gredin, qui peut nous permettre de... Moi, c'est moi le joueur que je vais cibler. Je veux... Est-ce que je veux de la forme du corbeau ou est-ce que je la fous au cimetière? J'ai un autre terrain derrière? Non, j'ai pas d'autre terrain, donc je la fous au cimetière. Je veux des manas, là. Je veux des manas, j'ai besoin de manas, on a envie de manas. Allez, on tape avec le gros, là, hop. Bon, il est pas très gros, mais... Quoi? Quoi? Allez, allez! Allez, bah nique ta mère. Tu gardes, non, toi tu gardes. Elle aurait au moins servi à quelque chose, c'est vrai. C'est vrai. Comment il s'est fait sécher mon légendaire nul là? C'est Hearthstone en vieux. Oui, un peu, oui. Hearthstone, mais pour les papas. Voilà. Pour les profs de fac. On est bien là. Ouais, on n'est pas non plus méga bien. Bergère du couscous. Vol. Ouais, d'accord. Ça, c'est de la merde, ça. Bon, c'est de la merde, mais pour l'instant, j'ai l'initiative. J'ai pas 3 permanents les jeux, évidemment, mais j'ai l'initiative. Ah, donc, encore un mana, je pourrais sortir le marteau avec un nain dessus. Pour l'instant, je vais attaquer. Ou alors, je sors pas le marteau avec un nain... Bah, je vais voir, ça dépend. Il va bloquer ou il va pas bloquer? Il va pas bloquer. Qu'est-ce que je fais? Je le joue, le marteau, tout seul? Comme ça, j'attaquerai avec le marteau après? Ouais, je vais jouer le marteau tout seul. De toute façon, faut pas rien jouer, en fait. Tant pis. Il y aura pas de nain, de toute façon c'est jamais qu'un token à la con. Ah mais je peux, c'est 3, c'est 2. Ah. Ah, c'est 5 pour le nain. Ah c'est bien ça. C'est bien ça. Enjambeur de Berg. Pourquoi elle se dégage pas? Ah oui, à cause de lui, c'est vrai. On va l'écrabouiller hein. Je contrôle un géant moi. Non, je contrôle un géant moi. Non, je contrôle pas de géant. Ouais, donc c'est... je paye plein pot, en fait. Eh ben, je paye plein pot, allez! Zblaaah! Tiens, tu bloques rien. Passement de jambes. Tu fais quoi, l'intellectuel, là? Avec ton ange? Oh putain, il me sort un autre ange. Il a l'air de claquer un peu celui-là, quoi. Lui, il a eu un bon draft d'ange. À chaque fois qu'un autre ange arrive sur le... Quoi? Attends, 2 secondes que je finisse de lire le premier truc. D'accord, donc... Pourquoi c'est lui qui m'a... Il m'avait contraint, lui? Je sais pas. À chaque fois qu'un autre ange arrive là, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance, tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus. Ah oui, bah ça, il y arrivera pas, ça. Ça, il y arrivera pas. Bon, donc du coup, on va attaquer avec le nain. Et ensuite, on va poser la carcasse. On continue de maintenir une sorte de pression pour garder l'avance au point de vie. Il va pas bloquer. Il va pas bloquer parce qu'il va pas bloquer. Si, il va bloquer, il va bloquer. Bon, très bien. Eh ben, c'est bien, t'es le plus malin. Tac, tac, voilà. Ouah, j'ai plus de nain. Bah oui, bah regarde, hop, carcasse vole. C'est mieux que nain. Oh là là, comme tu y vas, Erinden. En fait, ça se joue même pas comme le millboard normal. C'est le Uno pour les vieux. Ouais, super, t'as un Yeti, c'est bien mon gros. J'ai jamais 3 permanents neigeux, moi, par contre. Hein. Ça, c'est neigeux, et c'est tout. Oui, bah c'est bien, tu mets 3 blessures. Il me posera rien qu'à 2 points de vie, c'est pas possible. Ça nique les joueurs, ça? Ah non, c'est créature ou planeswalker. C'est pas aussi polyvalent que choc. Ah!
Choix cornélien. Non, choix pas du tout cornélien. On attache ça. Et on tape. C'est pas du tout cornélien, il me semble. On maintient la presse. Allez, donne-moi ton zombie à manger, hein, vas-y. Ton yeti, là, ton truc, ta merde. Ouais, il donne rien à manger. Il donne rien à manger. Bon. Je le sens pas, il a un plan. Muscle ton jeu. Bon, là, c'est musclé, là. Ah, il va me le déglinguer, le truc. Bah oui, il a du bleu, il a du bleu. Même s'il me le renvoie dans la main, ça me fait chier. Donc... J'ai investi, moi, là-dedans. Ah. Prédiction, ouais. Ouais. Ah, ça, je peux le déglinguer à la fin de son tour. Ce sera toujours ça de prix. Allez, zou, déglinguer. Et là, même un boomerang, c'est sympa, hein. Enfin, un boomerang, hein, ça vous connaissez. T'attaques ou pas? Bah non, t'attaques pas. Évidemment que t'attaques pas, il va te falloir... Oh, ici, il va attaquer. Ah ouais. Bah, t'aurais pu attaquer avec un des deux. Bon, là, on va d'abord tout casser. Si vous touchez aux fruits de mes entrailles. Tu me donnes des trucs. Tu me donnes des trucs, on trade. On trade des trucs. Et les gens voient qu'on trade des trucs. Ensuite, j'enjambe le berg. Putain, j'aurais pu enjamber d'abord. Wow, de toute façon. Alors, on pète quoi en prio? Le truc qui vole, évidemment. Et la 3-3, voilà. Buf, buf, buf. Sauf que sa 3-3, elle est engagée. Quoi payer? Bah, payer avec... oui, oui, bah oui. Clac. Bah, j'ai payé avec... oui, 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 donc elle se dégage pas, voilà, c'est bien. Eh bah voilà, à moins qu'il ait des trucs magiques à faire. Moi j'attaque, hein. On sait jamais qu'il ait un truc en flash à la con. Il a du bleu quand même. Et puis au pire, s'il me le renvoie dans ma main, ce qui est possible. Voilà, il a un truc en flash à la con, voilà. Ah ouais, exilé. Ah ouais. Bon, c'est moi qui vais affiner ma pioche. Deux blessures. Ah, oh, c'est sympa. Non, c'est pas sympa. Cimetière. C'est pas sympa parce que moi, ma créa, elle a deux en endurance. Donc, c'est pas sympa. Alors, on a l'augure. Ça, c'est bien l'augure. Mais en attendant, on attaque et on réfléchit après. Mais surtout que s'il pète son Sigrid, mon Yeti, il revient. Quoi? Oh, l'initiative! Il lit pas les cartes, le con! Il lit pas les cartes! J'ai pas lu la carte. J'ai pas lu la carte. Bon, eh, hey, tu sais quoi? Initiative ou pas initiative? Bon, le mec, j'espère qu'il a pas un contre-sort. Je pense qu'il bluffe. Je pense qu'il bluffe, Martoni. C'est l'heure du gros géant qui pète. Et alors ça, initiative ou pas initiative, je veux pas le savoir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette merde? Ah ouais, c'est un autre géant. Ah ouais, c'est la fête. T'as 5-6, je l'emmerde, t'as 5-6. Moi, je vais continuer à attaquer comme un débilus. Et ensuite, je vais jouer mon Nexus. Voilà, bloque-moi ça. Bloque-moi tout ça. Bah, il bloque tout ça. Hein. Ah, il bloque pas avec la 2-2. Il a compris, ce con. Bon, en tout cas, je tue tout le monde. Avec une créa. Après, il me fait une 1-1. Mais on s'en bat les couilles. Zbeu, zbeu, zbeu. Bah écoute, il aura servi à quelque chose ce marteau, hein. Qu'est-ce que tu fais? Boum! Et c'est l'heure du Nexus. Et attention, le Nexus, il débite des créatures, hein. Le Nexus débite. Voilà, ça, c'était pour vous.
C'était cadeau parce que bah, j'aime, moi j'aime avant tout la poésie. Ishi des combien? Ishi des 2-2. Ah non. Allez, botte dédaigneuse. Ah mais non, mais il a protection contre les créatures. Ah oui, ça c'est un contre-carrage ça. Ok, donc là, on peut peut-être utiliser. Non, bah on fera ça à la fin de. On fera ça à la fin de. À la fin de. À la fin de. Bah ça aussi, on le fera ça à la fin de son tour. On fera tout à la fin de son tour. On fera tout à la fin de son tour. On regarde ce qu'il fait d'abord. Comment ça, le terrain? Ah oui, vous avez raison, le terrain. Bah oui, mais le terrain, il met 2 blessures à tout le monde. J'ai pas envie de perdre mon augure du gel. Ça peut être sympa, l'augure du gel. Ah, mais quoique. Après, le Yeti revient. Il a protection contre quoi, cet abruti? Mais vous avez raison, après, le Yeti, il revient. Donc, ça coûte combien de faire ça? Ça coûte 1, 2, 3, 4... 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on l'a, donc je peux faire l'augure d'abord. Donc là, on fait l'augure. Ouais, ça me va, je prends, ouais. Et ensuite, on pète tout. Merde, je peux pas. Quoi? 1, 2, 3, 4, 1. J'ai pas assez, là? Ah non, je peux jouer que quand je peux faire un rituel, bah oui. Bon bah on va... Bah ça sert à rien de faire une créature. Oui mais c'est pas... je peux pas le jouer comme un éphémère, ce truc là. Bah oui, parce que je suis bête, parce que j'anticipe pas, parce que je suis idiot. Bon allez où, hop là, pète tout, j'en ai marre. J'aurais dû faire l'augure avant. Ah mais ça fait l'augure, remarque. Bon ça on s'en fout, on en a des terrains, c'est bon, c'est pas la dèche. Crame tout. Yeti, voilà. Il lit pas. Quoi il lit pas? Bah voyez, c'est gagné. J'ai fait plusieurs bêtises quand même, hein. Il est 12h13. J'ai fait plusieurs bêtises. Je comprends rien à ce jeu. Ah bah... ouais, une victoire. Allez, une victoire. On va vers la deuxième, là. On va vers la deuxième. Road to Gloria Gaynor, là. On évite les misplays, ouais, faudrait éviter les misplays. Une victoire totalement méritée, qui me dit Crane. Ah ouais, totalement méritée, là. Allez! Je suis content, mais je sais pas si tu mérites. Bah, j'ai attaqué avec mon marteau tout le temps, quoi. C'est important d'attaquer avec le... Ah! On a des terrains, on a une botte dédaigneuse, et on a le Nexus. Qui, comme vous le savez, débite. Tu t'es tellement brain toi-même. Tiens, j'ai une île enneigée. Voilà, on va commencer par ça, ça fait peur. Quand je vois l'autre poser des trucs enneigés, je me dis, oh, il va me faire chier avec des trucs neigeux, là, ça va être chiant. Donc voilà, moi je joue la psychologie, c'est important. Ça, c'est sympa, donc je veux dire, c'est ça. Ah, voilà, les petites créas de merde que je vais pouvoir faire sauter en 2-2. On a écrasé les faibles qu'on peut foutre en prédiction. Continue à chier des petites merdes. Chier des petites merdes. Tu vas voir quand écraser les faibles va sortir. Mettez un marqueur +1/+1. Ah, ça commence les conneries là. Sur un. Ah bah ouais, merde, faut que je le fasse maintenant en gros, le écraser les faibles pour gagner du temps. Ouais. Vas-y, tiens, il va être deg parce qu'au prochain tour il mettra un marqueur sur rien du tout. Je l'ai bien niqué là. Allez, zou. Et au prochain tour, ça se trouve, je vais contrecarrer son truc qui vaut 4. Et là, il aura vraiment les boules. Bon, bah, il va pas poser de truc qui vaut 4. Aïe. Mon écraser les faibles, il est où, mon écraser les faibles? Ah, la boulette, Jean-Luc, la boulette. Bon, le Nexus, c'est pas le moment. Là, il faudrait peut-être poser des machins. Ça coûte combien pour sortir le set complet? Ça coûte 5, d'accord. Donc, pour l'instant, on va poser lui. Et au prochain tour, on sortira l'amulette avec un mec dessus. Et là, il va me sortir un truc qui vaut 4. Quoi? J'ai pas lu la carte! Ah! Ça me fait pleurer des yeux. Ça va falloir qu'on le joue, ça. Écoutez-le. Pouette.
Allez, la grosse 4-5. Elle a protection contre quelque chose, elle? Défense talismanique? Non. Mais ça claque? Plus 0, plus 1 et défense talismanique tant qu'elle est dégagée. Waouh! Bon, je fais quoi contre l'esprit au clairon, moi? Pas grand chose. Oh là là, machin. Quoi? Ah ouais, ça c'est bien ça. Je suis obligé de bloquer en plus. Bon, allez, ciao. Super game, j'ai adoré. Franchement, nickel. Super nickel, on réserve. Oh là là, j'aurais joué le bûcher tout à l'heure. J'aurais été mieux parti. Écoutez, on va essayer de gagner du temps. Avec un quitter le royaume de deux derniers, de derrière les fagots. Road to 1-2, ça sent la PLS. Bah vas-y, vas-y, joue tes merdes là. Bah je vais... Hop. Tu seras bien feinté. Comme ça, tu ne me tues pas. Et ce qui ne me tue pas, ne me tue pas. Et ça, c'est toujours des... Ça, je peux, hein. Pouit, pouit, pouit. Oh bah ça, on prend. Ça, on prend pas. Voilà. Je suis sauf. Je suis sain et sauf. Is ok, is ok. It's time to carcass. It's my turn to frappe. Équipement de... Ah, en plus, une carcasse avec défense talismanique, ça va commencer à avoir de la gueule. Qu'est-ce qu'on mettrait pas le... Est-ce qu'on mettrait pas le Nexus? Ça, ça donne plus 0 plus 1, hein. Oui, c'est ça, oui. Allez, on va équiper ça et poser l'annonciatrice. De toute façon, elle peut pas bloquer seule, hein, donc... Annonciatrice. La remontada. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais bien me faire la remontada. Je vais pas attaquer avec elle au cas où, hein. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. On bourre. Il a l'air de choke, genre, ça se trouve, il est tricolore et il a pas de montagne. Allez, on assure avec le Nexus, là. Et on met ça en prédiction. Ah bah tiens, il y a la grosse mémé qui est venue dire bonjour. Vous connaissez la grosse mémé? Gardez-moi cette grosse... Oh! Oh, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est de la victoire méritée, ça. C'est bon, il s'est épuisé. Ça servait à quoi d'équiper? Bah, ça servait à ce qu'elle soit... à quelle est la défense talismanique. C'est quand même super important, la défense talismanique, c'est vachement bien. Hein? Regardez-moi ça. C'est le pouvoir de la grosse mémé qui est venu me porter chance. On continue, ce deck est merveilleux. C'est pas mal le 2 dégâts à tout le monde quand même. Hein. Ça donne limite envie de rajouter l'autre pour en avoir 2, mais le terrain il est bien aussi. Hein. C'est un Teferi en face. Ok, ok, ok. On y a plus. Oui, c'est bien, on peut prédire dès le tour 2. On a le terrain qui met 2 dégâts à tout le monde et qu'on commence à bien aimer. Hein, c'est de la bonne cam, tu peux y aller, mon frère. Bon, bah allez, on va envoyer des trucs en prédiction. On va commencer par écraser les faibles. Mémé, là, tu touches le micro, là, t'es chiante. Bah, en fait, tu es chiante. Voilà, voilà, le peuple a voté, t'es chiante. Alors, on a quoi? On va pas faire écraser les faibles tout de suite. On va continuer juste de poser des trucs en prédiction. Et voilà. Et voilà. Is ok. On veut du card advantage avec écraser les faibles. On veut du CA. Et lui, il est parti sur une sorte de tricolore. Hein. Bon, là, on va peut-être écraser les faibles, par contre. Parce que ça lui pèterait bien son délire, quand même. On est d'accord, avant qu'il me fasse des embrouilles, là. En plus, ça, c'est balèze. Ah ouais, donc on va complètement buter ça au prochain tour. Complètement, on bute ça. Allez, Zou, on n'a pas le temps. Deux blessures à tout le monde.
Bah, ça fait du card advantage quand même. Et on a la botte dédaigneuse pour son tour 4 s'il casse les couilles avec un truc un peu fort. S'il casse pas les couilles avec un truc un peu fort, on fait rien. Salaud. Flexer les faibles avec des babyfoot. Merci Xelibix pour ton 7ème mois. Alors, on a un truc un peu fort qui va sauter. Voilà. Allez hop, tu dégages. Tu vas au standard. Ben, on va s'installer le Nexus. Et on va commencer à débiter. Et c'est 5 hein, pour avoir l'amulette avec un géant dessus. Oui, c'est ça. Et lui, il flexe des petits trucs merdiques. Ah ouais, putain, hé. Hey. Sauf que là, maintenant, mon gars... Non ! Ah bah si, c'est bon. J'ai cru que je m'étais planté à un mana près, tu vois, un truc comme ça. Harald, le roi des cons, menace. Quand il arrive sur le champ de bataille, regardez les 5 cartes, vous pouvez révéler un connard. Et d'accord, bah écoutez, moi, je vais commencer à dissoudre. Eh, ce serait pas le moment de flexer ça. Allez, c'est complètement le moment de flexer ça. Est-ce qu'on veut quitter le royaume? Pas nécessairement. Je sais pas. Non, on veut pas quitter le royaume, on veut pas de l'île non plus. Parce que là, après, on a de quoi jouer le Yeti. Oui, on a de quoi jouer le Yeti, donc ça suffit. Allez, ça dégage. Et on flex avec le gros Yeti qui pue. Voilà. Ensuite, un truc de merde qui va se prendre un éclair démoniaque. Ça a pas la protection contre je sais pas quoi, ça. Hein. On est d'accord. Allez hop, tu dégages. Boum. Alors là, c'est plié. Hein. Non, on s'en fout. Oui, enfin, si tu veux, de toute façon, je paye avec lui. Voilà. Allez, gère mes Yeti et mes géants, là. Vas-y. Je t'attends. En plus, j'ai un écrabouillé si tu me sors un truc un peu costaud. Et le écrabouillé, il coûte que 2 parce que j'ai un géant. Donc, mon gars, tu sais même pas comment mon jeu il défonce. Boum, boum. Dans ta gueule. Et ensuite, je vais chier des changelins. Qui seront en fait des géants. Non, en fait, ta tête va exploser, Teferi. Attends, il a pas protection talismanique, là. Non, il gagne 4 points de vie. Oui, t'as cru que ça... Il a trop cru, lui. Hein. Il a trop cru, il allait flexer. Sauf que c'est moi qui flexe, ici. Et c'est ta Guivre qui va canner. Pendant que moi, je mets un petit token pour le troll. Comme un mec pas sympa. Teferi, t'es foutu, la France est dans la rue. Eh oui, cette masterclass. Alors j'ai déjà donné tort au sondage qui me voyait faire 2 victoires pas plus. De 1 à 2 victoires, on est déjà à 3, avec une défaite. Alors, c'est qui le papa? Merci. On enchaîne, on continue, on roule une clope, on y va. Il y avait l'âme des cartes là quand même. Tout a déroulé pile quand il fallait. J'ai fait les bons choix. Et je vous rappelle que ce deck, c'est moi qui l'ai fait. On n'a pas vu débiter. Bah si, j'ai fait mon premier token avec le truc. C'est ma seule rare. C'est ma seule rare en plus, c'est vraiment vrai, tiens. Oulala, non. Oui, là oui. En plus, j'ai le bûcher là, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on tège là? Le voleur de pensée? Ouais, on va tège le voleur de pensée, on en a d'autres. En même temps, c'est un sacré affineur de pioche. Qu'est-ce que je tège là, les enfants? L'éclair démoniaque, c'est trop merveilleux. Aegar, il sert jamais à rien. Mais... Il sert jamais à rien, mais il fait peur. Je tège une montagne? Une île? Je tège une île, là? Ouais, allez, je tège une île, ouais.
toute façon, c'est solide le reste. Hein. Tout est jouable, enfin, c'est... D'ailleurs, c'est comme papa dans maman, là, si tout se passe bien. Renvoie une montagne, mais pourquoi vous vouliez que je renvoie? Ah oui, bah non, mais c'est pareil, de toute façon, qu'est-ce que vous me cassez les couilles. Allez, ça part en prod. C'est génial, hein, l'éclair démoniaque. Pourquoi vous vouliez que je renvoie une montagne? Pourquoi? C'est quoi votre problème avec la montagne? Je pense que c'est le moment d'affiner un petit peu la prochaine, parce qu'on va avoir besoin de terrain. On a un terrain. En draft rapide, je croyais que c'était seulement en classique. De quoi? Ah, l'effet du terrain coûte 2 îles. Oui, mais elle va tomber après, c'est pas grave. On a une carcasse et on a... Bon, allez, on va attaquer d'abord. Et trouver des solutions après. Tu me donnes pas ton truc à manger, t'as peur, donc... Alors, attends, parce qu'il faudrait que je lise les trucs. Oh, peut-être qu'il faut le buter maintenant, ça, hein. Il a des terrains et jeux, lui? Je le bute, hein. Ouais, je le bute. Ouais, des os, pas des os. Faut lire les cartes. Mais quoi, j'ai lu les cartes, là? Ah, j'aurais dû faire Aegar plus. Ah, merde, dans l'autre sens. Ah, mais vous avez raison. Mais vous êtes des petits malinois, vous, hein. Vous avez... Décidément, rien ne vous échappe. Le problème, c'est que ça, c'est pas du tout un géant. Enfin, on va quand même attaquer avec. Voilà. On n'attaque pas avec Aegar. On attaquera après avec la carcasse Veul. Tu bloques, tu fais quoi? De toute façon, c'est bien, c'est moi qui attaque. C'est moi qui dis. Ce play était affligeant. Oui, bon bah d'accord, j'ai oublié l'effet de Aegar. Aegar le gros con. Avec la carcasse Veul, ça va être mieux. Bon, je peux toujours pas jouer ma botte dédaigneuse. Mais un terrain de plus et je peux tout faire péter. Et s'il continue à me mettre des petits tokens elfes nuls. Ah non, c'est plus un petit token nul. C'est une créa avec le piétinement. Et bah écoute. Et je suis obligé de la bloquer, donc on va la bloquer avec la carcasse. Mais ah, bien wesh, il va me buter à Aegar. Bien wesh, bien wesh, bien wesh. Sauf que là, ça fait ça, hein. Je pioche, du coup, voilà. C'est toujours ça de prix. On a un voleur pour aller chercher... Oh là, déjà, on va attaquer et réfléchir après. Et je pense qu'on va jouer le voleur et garder la botte dédaigneuse. Et ça va super bien se passer. Bah ouais, mais t'es un peu lourd, quoi. T'es bien, hein, t'es bien, mais t'es un peu lourd, donc cimetière. Allez, hop. Et là, c'est le drame. Le counter, la petite botte. Et là, t'as les boules, t'as les glandes, tu as les crottes de nez qui pendent. On est pas bien là, à un point de vie? Putain, je voulais pas le troller, je voulais mettre mon Nexus. Ouais. Il a plein de cartes en main. Hein. Bah ouais, mais bon, en main, ça sert à rien, mon gars. Ça sert à rien d'avoir des gros tons plein la main. T'es tout petit, mais t'es mignon, mais t'es un tout petit gros ton. Alors, les 4 victoires, là, hein. Cette violence des cartes quand t'enlèves des points de vie, ouais. Non, mais c'est jouable en free-to-play, hein, Magic, hein, tu peux y aller, hein. Mais quelle série. Quelle série, bah on continue. Lourd, hein, lourd. Je vous l'avais dit, les petits voleurs là qui permettent d'affiner le dessus du deck, c'est pas mal. Le deck tempo super bien. Bah ouais, bah ouais, bah ouais.
Exactement. C'est le jeu free-to-play le plus honnête pour ses joueurs. Ouais, je trouve, franchement, c'est bien. À quel jeu vidéo penses-tu être le plus fort ? Aux Sims. Cela dit, son deck a l'air pas mal contre aggro. Bon, c'est pas mal, ça. On va pouvoir faire un corbeau tour 3. Ouais, faire un corbeau tour 3, c'est ça qui va se passer. Deuxième verre de Chablis, je pensais pas que t'irais si loin. Eh ouais, mon gars. Eh ouais, mon gars. Tu crois quoi ? De toute façon, j'en refais un après. Hein. Deux drafts. Hein. Histoire que vous voyez quand ça marche bien et quand ça marche pas. Le problème, évidemment, c'est que plus tu gagnes, plus tu te retrouves face à des gens qui eux aussi ont déjà gagné. Quoi. Plus tu avances dans le draft, plus tu te retrouves face à des gens qui ont le même nombre de victoires que toi. Là, le mec en face, il a aussi 4 victoires. Je crois que ça va commencer à être ça le problème. Une petite morsure du gel. Écoute, on va. Le plus important, c'est de commencer à taper le premier. Donc, on va poser le corbeau tour 3. On va rester sur ce plan qui était très bien. Et lui, il fait quoi? Lui, il a call aussi un truc. Lui, il est plutôt parti sur du marais. Ouais. Et ben nous on va partir sur le corbeau. Attends, mais n'importe quoi. Je croyais que c'était le gros corbeau, j'ai encore pas lu la carte. Bon bah on va call ça, on va mettre ça de côté. Ouais. Tac, je vais faire ça à la main. Putain, j'ai encore failli faire une bêtise. Mais évidemment, mais c'est... Alors, vous allez me dire, oui, Usul, il lit pas les cartes, tout ça. Alors... C'est parce que, aussi, je dois vous dire des conneries. Tiens, voilà autre chose, tiens. Ah, je suis désolé, ça va être pour ta gueule, la morsure du gel. Bah, avant que tu te mettes à poser des saloperies dessus, voilà, hop, ça dégage. Qu'est-ce qu'on a ? On a du terrain. Ah, ça, on a du terrain, hein. Deux îles enneigées. Et au prochain tour, je peux poser l'enjambeur. Ouais, mets des petits nains à la con, là, tu vas voir comment ça va sauter, ça. Tu vas voir comment ça va sauter. Tu connais pas encore mes terrains magiques, là. Tu connais pas encore mon super terrain. Donc là, j'ai pas, mais si je l'avais, je peux dire tu serais pas bien, mon gars. Je dois vous dire des conneries, exactement. Putain, elle est nulle, la zik. Ah, ça c'est ballot, ça. J'étais mieux quand je l'avais, quand même. J'étais un peu mieux quand je l'avais. Du coup, c'est pas moi qui commence le tapage en premier. Bon, on va partir sur Augure du gel et on va serrer les fesses en attendant les prochains géants, quoi. En gros, c'est ça qui va se passer. Donc ça, c'est un boomerang. Je peux le prédire. Bah ouais, je peux le prédire. Et bon, j'ai de quoi counter des trucs. Mais je vais pas claquer ça sur des nains à la con. Pour l'instant, je temporise. Waouh. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque exactement deux cartes ayant des noms différents qui ne sont pas appelés des mondes. Si vous faites ainsi, révélez ces cartes, un adversaire choisit l'une d'elles, mettez la carte choisie dans votre main et l'autre dans votre cimetière, puis mélangez. Waouh, il va me chercher deux merdes. Bah je vais choisir un truc que je sais que je peux péter à l'éclair démoniaque, et lui je vais le gérer avec la forme du corbeau. C'est un éphémère? Non, pas du tout, évidemment. Bon bah vas-y, fais ton truc là. Voilà, oui, la forme du corbeau, elle va servir à... Allez! Parce que là, je vais pas faire quitter le royaume, par exemple. Mauvais délire.
Mémé, qu'est-ce que tu fais? Alors, ça, je peux le péter à l'éclair. Ça aussi. Ah bah non, ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant, parce que si ça a la défense talismanique, je vais commencer à être dans la merde. Donc, là, je choisis que tu peux prendre le titan, et l'autre, ça dégage. Parce que la défense talismanique, ça m'arrange pas du tout. Et ce sera tout pour moi. C'est tout pour moi. Ouais, bah, par contre, je vais pas bloquer. Là, je bloque pas. J'aurais... Bon, non, je vais pas gâcher un boomerang pour me prendre 2 points de moins. Pas de blocage, pas de blocage. Pas de palais. Pas de palais. Ouais. Bon, on commence par une petite forme du corbeau. Parce que ça, ça peut pas rester comme ça, les enfants. Et ensuite, je peux sortir mon voleur. Alors, par contre, j'aimerais bien garder un mana rouge. Hein? Tant pis pour l'augure du gel. Je garderai bien un mana rouge pour l'éclair démoniaque parce qu'il va me poser sa merde. Donc on sort le voleur, tranquillou. Mais qu'est-ce que je viens de faire l'inverse de ce que je viens de dire? CTRL Z. Voilà. Parce que de base, il s'est dit il va avoir besoin de son île neigeuse pour la capacité activée de l'augure du gel. Mais je viens de payer là. Mais j'ai payé là. C'est quoi ça? D'accord, ok, c'est comme ça que ça marche. Alors, c'est moi que je veux affiner ma pioche. Quoi? Comment ça confirmer 1? Je comprends rien. Est-ce que j'ai besoin du terrain? Est-ce qu'on n'avancerait pas un peu sur le chemin de... Sur le chemin de la route? Non, j'en ai pas besoin. Cimetière. Tant pis pour le géant, l'urgence c'est d'avoir un truc pour gérer le board. On va dire. Lui, il va peut-être pouvoir niquer un nain. Parce que... Hein? Bon, j'aimerais bien avoir soit mon terrain magique, soit... Bah, le terrain magique, c'est un peu lent. Il me faudrait le... Oui, ah waouh, super, t'as un géant. Waouh. Ah, c'est impressionnant. Bah oui, là, tu vas m'en mettre plein la gueule, ouais. Elles ont +1/+1 et la célérité. Bon, d'accord. Donc là, je vais être obligé de bloquer. Peut-être même avec l'augure, je sais pas. Je bloque avec l'augure. Ah, il attaque avec. Ah, j'avais oublié que lui aussi, du coup, il avait la célérité. Bah, il va dégager. Voilà, donc ça, déjà, on est plus serein. Toi, tu t'en fais un. Et l'augure, il reste. Ouais, ça pique un peu, quoi. Ça pique un peu. Aïe, 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 c'est pas zinzin, ça. Bon, lui, il va pouvoir se faire le nain. L'augure reste. Et peut-être qu'on va devoir faire quitter le royaume au corbeau, là. Pas d'attaquant. J'ai un peu peur là. Là, je suis pas super rassuré. Aïe aïe aïe, le corbal. Le corbal qui sort direct en 3-3. La 3-3 qui pique, que j'ai pas de quoi gérer. Bon, elle a pas l'initiative, mais fait chier quand même, quoi. Voilà, et ça attaque plus qu'au corbeau maintenant, bah oui. Je vais quand même pas faire quitter le royaume sur le corbeau. Non. Non. Pas tout de suite en tout cas. Alors moi. On va regarder la carte. Bon bah voilà, je l'ai bien vue, elle est bien. Super, super génial. Super Michel. Bon. Eh ben on a bien avancé. Bon, on va peut-être utiliser quitter le royaume pour repousser son corbeau quand il va attaquer avec. C'est ça qui va se passer, je crois. Mais le gros, pas le petit. Le petit, ça l'aurait tué vu que c'est un jeton. Et quand c'est un jeton, il retourne pas dans la main, il disparaît. Wow, on va se calmer, les enfants, là. En plus, folie furieuse, ça marche que quand c'est moi qui attaque. Bon, bah écoutez... Ça va se terminer en... Ça va se terminer... Oh putain, célérité. Allez, hop. Ça va se terminer qu'on va repousser l'échéance. Mais quoi? Je joue ça, là. Tu vois pas? Ah non, c'était pas mon moment. C'était pas mon moment. Bon, on va repousser les 3 points de dégâts en plus, là. Il peut le rejouer direct derrière, donc je fais que repousser l'échéance.
J'ai pas grand chose contre le vol, c'est vrai que c'est un peu ça la faiblesse du deck. Bonsoir les gens de chez Danny. Bonsoir, ça joue à Magic hein, ici, attention, on est sur... On n'est pas sur un stream révolutionnaire et contre-culturel ici. Hein. Merci, Strawberry. Squat Philo, Usul au pop-up. Ah d'accord, ok, c'est ça le plan. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Aïe. Mais ça pique. Je peux jouer à un moment ou comment ça se passe? Jouer pour ça, ça sert à rien. Allez hop. Bon allez, deuxième défaite. Merci Jean Sobre, merci Twitch la banni. Twitch la banni. Mais c'est quoi ces manières là? Qui viennent me parler en privé, qui m'envoient pas ces gens pour dire squat philo. C'est bon, on a compris. Moi je suis à deux défaites. En plus vous arrivez en plein dans une défaite, c'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est complètement de votre faute. Moi sinon je faisais que gagner avant le raid de Danny. Les mecs qui débarquent bourrés en fin de soirée, tu sais. Pour l'after. C'est ici after, comme je fais moi. Stop forcer les gens. C'est bon, voilà, vous avez eu l'ordre de votre chef. Votre chef vous a dit d'arrêter. C'est votre chef, hein. Alors, c'est quoi en face, le petit rigolo, là? Fallait enlever l'augure. Ni, mais enlever l'augure. Oh, putain, j'ai pas... Salaud. Et ça me ligane, putain, c'est de la merde. Bon, on va avoir besoin du voleur de pensée. Ça, c'est sûr. C'est multi ou solo? Non, là, je joue contre des débilos sur Internet. Je le sens pas, ça. Je la sens pas. La carcasse veule, c'est top tour 4, écrabouillé. Allez, je vais tèche écrabouillé. Parce que faudrait déjà qu'on arrive vivant jusqu'au moment où on peut jouer écrabouillé. Quoi. Ah, ça va. Bon, on est un peu plus secure. On va pouvoir faire le voleur tour 3. Stocker l'éclair tour 2. Ok, on est parti sur un truc qu'on aurait bien aimé écrabouiller, justement. Je connais cette Zig, c'est pas Perfect Dark, ça. Ah si, c'est ça, tu vois, Robert le Magnifique, il dit, ça c'est Perfect Dark. C'est une playlist, hein, donc moi je sais pas exactement ce que c'est, mais... Vol initiative, cette fois-ci faut pas que j'oublie qu'il a l'initiative ce con. Et on est parti sur un voleur. Bon, on a ce qu'il faut en terrain maintenant. Hein. Du coup, cimetière. Maintenant on veut des solutions. Ceci dit... Ah là là, il y a de la carcasse veule en face. Il y a de la carcasse veule qui va se prendre un éclair démoniaque dans sa race. C'est ça qu'on aime. Là, on va pouvoir faire éclair démoniaque marteau nain. Comme ça, on va pouvoir commencer à attaquer. Oui, hein. C'est pas un misplay, ça. Éclair démoniaque marteau nain. Oui. Oui, on fait ça. Tant pis, on n'attend pas le tour d'après. Le tour d'après, on aura la carcasse veule. Et là, il n'y a pas besoin d'attaquer. Ah. On t'a MP. Ah bon? Bah, j'ai pas vu. Bah, ça dépend où vous m'avez MP. C'est quoi, ça? Si... Oh, non, c'est pas bien, ça. Oh! Quelle angoisse! Quelle angoisse! Bon bah marteau nain. Forme du corbeau peut-être. On va faire prédiction sur la forme du corbeau et équiper le marteau nain. Genre il va pas attaquer avec son porteur de calamité là. Par contre je suis pas en avance au point de vie, donc c'est pas moi qui vais attaquer. Merci Siriru pour ton 8ème mois. C'était pas le... Oh putain.
C'était pas le mec de MTG France hein, qui avait fait du sexisme. C'est un mec qui a juste une boutique. Aïe, 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 ça va commencer à piquer. Bon, c'est forme du corbeau obligé au prochain tour. Et carcasse veule. Voilà, forme du corbeau. Et on attend le clean. Il est où le clean? Il est où le clean? Où qu'il est mon clean? En plus il peut pas bloquer tout seul la carcasse veule. Alors avec un peu de bol il va pas lire le texte. Bah non, de toute façon elle vole toutes. De toute façon elle vole toutes. Et hop, 4 dans ma gueule. Excellent, 4 dans ma gueule. Je suis très Chirac ce soir. Putain, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire, il va peut-être même falloir que... Qu'est-ce que je peux faire? Que je temporise avec ça, là? Bah écoute, on va temporiser... Enfin, on va mettre ça de côté, voilà, exactement. On va mettre ça de côté. On va peut-être avoir besoin de temporiser avec ça. Et on va attaquer, parce que de toute façon, ça change rien. Elle peut pas bloquer, cette connasse. Donc, on attaque. Les emmerdes, c'est comme les canards. On va attendre, hein, faut pas, pour quitter le royaume, on va attendre qu'il mette un enchantement, une saloperie sur une de ces blanches volantes, là. Non, il va pas le faire, il fait rien. Bon, on va lui renvoyer son coursier. Ou son corbeau, non, son coursier. On renvoie le coursier, ça fait que 2 dégâts. Et on va essayer d'aller plus vite. Et le coursier revient. Et un buffle. Très bien. Putain, c'est pas le bon land, hein. C'est pas le bon land. Ah, mais là, il peut sacrifier un buffle, hein. Il va sacrifier un buffle, à mon avis. Ah, bah oui, voilà. Hop. Bah oui, mais bon, faut bien que je fasse quelque chose. Donc, hop, ça arrive avec un mec dessus. Et là, il n'y a plus qu'une carte qui peut me sauver. Il n'y a plus qu'une carte qui peut me sauver en fait. Oui, bon, le géant, à la limite, le géant. Non, le géant, il me fait peur aussi. Pourquoi il a pas attaqué? Pourquoi il a pas attaqué? Pourquoi il a pas attaqué? Pourquoi il me troll là comme ça? Sous de ma gueule? Pourquoi il a pas attaqué ce con? Cracaca. Est-ce que je peux en tirer profit? Je veux pas attaquer non plus. Si j'attaque. Je crois qu'il a misplay. Hein. J'attaque. De toute façon, je suis mort. Donc, voilà. Mais un buffle, à la limite, soit poli, quoi. Fais quelque chose. Il est pas poli. Il est pas poli du tout. Ouais, mais regarde, je vais mettre mon méga marteau à lui, là. Comme ça fait un gros lui. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, je suis mort. 4 et 1, 5. Il va me mettre pile 1. Alors, si j'avais pas attaqué, j'étais pas mort. Parce que je suis un abruti. Ciao! C'est tout pour moi. C'était Usu, l'explosion. Allez, hop. Très bien. Niveau platine 3, hein, quand même, hein, les enfants. Il jouait avec tes nerfs. Oui. Bon, bah, 4 victoires. Vous aviez pas paru... Ouais, qui avait parié 4 victoires? 3-4. C'était en deuxième position, 3-4. Mauvaise sortie, mauvaise rentrée, mauvaise tout, hein. Résultat, j'ai perdu des gemmes dans l'histoire, mais c'est pas grave. On va ouvrir son petit booster. J'ai pas encore du café, moi, si. Mais si... Mais si. Alors, tac, moi je veux des jokers. Ouais. Et on va refaire du... Oui, je redraft. Mais moi je préfère le draft rapide de Kaldheim. Parce que de toute façon, c'est pas toi qui décide. Et c'est parti. On se partit. Quoi? Ah oui, merde. C'est juste qu'il m'a changé le... Alors, on me propose un maître de guerre elfe. À chaque fois qu'un autre elfe arrive sur le champ de bataille, créer un jeton elfe. Oh, bah ça peut faire un envahissement d'elfes, ça peut être rigolo, vas-y on prend. On va bien voir. Ici on a...
On a une petite saga. Ouais. Plus un, double initiative jusqu'à la fin du tour. Ça, ça peut être un kill. Paris divin, j'aime pas. Le double blanc, là, c'est pas bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du biland. Calmemande. Vous pouvez changer le contrôle de deux créatures ciblées. Ah, c'est fort, ça. Vous pouvez changer le contrôle de deux permanents non-base, non-créatures ciblées qui partagent un type de carte. Bah, c'est un peu rigolo, ça. Vas-y, hop. Pour l'instant, on regarde pas les couleurs. Hein. Colorblind. C'est l'antiracisme total. Colorblind. Non, ça c'est une rune, ça, on a dit que ça s'en bat les couilles. Vas-y, hop, on prend une... Ah, c'est bien ça. Non, c'est pas bien ça. On prend tout ce qui est un peu unco. Ah, ça c'était bien, écraser les faibles quand même. On avait bien rigolé avec écraser les faibles. Vous voyez, c'est ça la carte qui me manquait la dernière fois. Comme quoi, j'aurais peut-être dû en mettre deux dans le deck. Là, on a... elle est sympa, elle est sympa dans un deck prédiction, machin, là. On a... L'arc, j'aime bien l'arc. Et puis on a le port. Mais pour l'instant, on sait pas quelle couleur on va jouer. Donc pour l'instant, on prend tout ce qui est sympa. Qu'est-ce qui est sympa ensuite? Le petit loup, il est sympa. Plus 1, plus 3, le vol dégagé là, c'est sympa. Tout est un peu sympa. On va prendre le loup. Ça se trouve, on peut faire du rouge-vert sympa. Tout est sympa. Ça, d'accord. On va peut-être partir sur du rouge-vert. Hein. Quand elle arrive sur le champ de bataille, mais... Marqueur, +1/+1. Pourquoi pas. Paris divin, personne le prend. En même temps, là, je draft contre des IA. Hein, donc, c'est normal. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa, surtout pour faire du bi tricolore ou je sais pas quoi. Vert-rouge, je trouve que ça marche bien. Après, noir-bleu... Voleur de pensée, je l'ai trouvé chouette, hein, le voleur de pensée, quand même. Bon, là, il n'y a rien de fabuleux. Tu vas reprendre le voleur de pensée. Petite 3-3-2 sympa. J'aime bien Aile brisée, parce qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup d'enchantements, de trucs qui volent. On sait jamais. La rune, allez, on va prendre la rune. De toute façon, moi, je joue pas sans armes. Hein. J'aime bien mettre des armes. Dans cette extension, il y a des bonnes armes. Ouais, allez, la carcasse, dans le doute, la carcasse c'est bien. S'emparer du butin. Non. Allez. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a le chef des elfes là, faut prendre des elfes quand on peut. Allez, des elfes, des nains, des tout ce que tu veux, on prend tout, on prend tout. Qu'est-ce que tu nous proposes? On a un arpenteur, un planeswalker. On a un planeswalker. Peut-être laisser tomber l'archétype nain, hein, si on peut faire du noir. Ça fait quoi, ça? Ciblez une créature non-jeton. Mettez un marqueur forme fantôme sur elle. Elle acquiert tant que cette créature meurt ou est mise en exil. Renvoyez-la sur la... D'accord, donc ça, c'est pour un aggro... c'est le kill d'un aggro... un aggro blanc-noir. Je suis pas du tout parti là-dessus, moi. Mais en même temps, maintenant, j'ai envie de jouer ça. Est-ce qu'on ferait pas du blanc-noir-vert avec des elfes? Et avec le vert, on peut, hein. Blanc-noir-vert, ça peut être sympa. Allez, blanc-noir-vert avec des elfes. Bon, on va peut-être prendre ça, du coup. Blanc-noir-vert, on va peut-être prendre ça. Ah, attends, c'est bien ça, les autres créatures, vous contrôlez... Oui, non, ça, c'est bien. Allez, ça, c'est bien. Voilà, ça plie un peu le game. On a un esprit qui, quand il arrive en jeu, cherche un carte de terrain et jeu. Maja, c'est une dingue. Hein, blanc, noir, vert. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, blanc, noir, vert. Au pire, tu splashes le blanc avec, tu vois, avec un peu de vert. Vantardise, détruisez un artefact. Donc ça, on a déjà le vert qui peut faire ça. Blanc, noir, noir, noir. Quand on a rien, détruisez une créature ciblée. Ça peut ne pas être mal. Sinon, ressusciter. Ah! Je peux renvoyer des saloperies depuis... Ça peut être bien pour les... Ouais. Bon, allez, on va... Oh, je sais pas. Et sinon, il y a pas un faucon. Et sinon, une grosse guivre. Allez, la grosse guivre. Non, blanc-noir-vert, c'est aggro. C'est aggro avec des petits trucs. Donc peut-être ça peut être plus chiant si je remonte des choses formidables, comme par exemple, une deuxième Maja. Une deuxième Maja, mais oui. Mais c'est ça qu'on veut. Putain, elle peut cogner. Mais bon, on n'est pas parti à prendre les bilandes. Attends, j'ai deux Maja, hein, je déconne pas.
Ah ouais, non, on part vraiment sur blanc-noir-vert. Hein. Bon, donc, avec blanc-noir-vert, maintenant, il faudrait arriver à le sortir, ce blanc-noir-vert. Donc, il va falloir le rendre jouable. Donc, il va falloir quand même commencer à penser mana. Hein, penser bilan, checker les bilans. La créature cible gagne plus 1 et quitte le vol. Allez, hop, on va prendre une araignée. Blanc, noir, vert. Bah, ça rentre pas dans blanc, noir, vert. Hein. Pleine enneigée. J'ai des trucs qui marchent. Ah, ça, c'est quoi ça? Change forme. Écoute. Ça fait une 2-2 qui potentiellement est un elfe. Donc, ça marche. Bah, ça peut être bien aussi. Oui. Sinon, c'est quoi? Y a pas. Noir, c'est vraiment s'il y a de l'anti-bête. Noir, je prendrais plus que des anti-bêtes ou des trucs sympas. Mais c'était le deuxième. Non, ça va pas le faire, à mon avis. Bonne chance, Suzul. Ouais, bonne chance, moi. Alors, en blanc-vert, sacrifié, ciblé jusqu'à deux créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur plus. La vigilance. Ouais. Elle acquiert la vigilance et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ouais. Écoute, je fais plutôt confiance à lui, là. Parce que si je veux aller vite, je vais pas prendre des trucs de merde qui vont me retarder, quoi. Ah, ça peut me servir. Ça, c'est un fixeur, j'en ai besoin. Fixeur de mana. Donc, c'est con parce que je voulais prendre l'autre truc, mais enfin, bon, admettons. C'est encore un change-forme. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une carte de créature depuis mon cimetière. Si je fais ainsi, exiler un artefact ou un enchantement ciblé qu'un... C'est bon, ça. C'est très bon, ça. Invocation, détruisez un artefact ou un enchantement, vous gagnez 4 points de vie, bof. Bon, on va le prendre quand même. On on prend une grosse guivre? J'ai pris une grosse guivre tout à l'heure ou pas? Non, j'ai pas pris de grosse guivre. En même temps, on va pas gagner à la grosse guivre. Invocation de la divinité. Non, moi je crois au fait que c'est bien. Ça vaut pas le truc vert là qui pète potentiellement un... Écoute, on va rester sur le mentor, hein, qui a un tour 4 solide, ou alors araignée à la portée. Ou alors, la petite merde, c'est quoi ça? Si vous faites un tir, on a une graine d'artefact ou d'enchantement ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Ah, ça veut dire... bah non, mais j'ai pas de saga de la couleur que je vais jouer, en fait. Si, j'ai la chute de l'imposteur. En gros, je pourrais renvoyer la chute de l'imposteur dans ma main quand cette merde arrive. Bof. Le chat dit l'araignée. Bah écoutez, moi je dirais bien l'araignée aussi, ouais. En plus, j'ai pas beaucoup de tour 3 sympa. Cavalier. Non. Bon, on va prendre la saga parce que moi je trouve que la carte est jolie. Aile du cosmos. Et on arrive à un truc noir. Valkyrie qui pète. Mon gars, je vais tout jouer là. Je vais jouer toutes les rares. Je vous rappelle que dans le deck d'avant, je jouais qu'une rare parmi tout ce que j'avais drafté. Là, on va jouer toutes les rares. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Vol, lien de vie, défense talismanique contre les planeswalkers, vantardise, sacrifie une créature, chaque adversaire sacrifie une créature. Ça pète. Pour 4, tout ça pour 4. Ça pète. Nice, hein? Très nice. Alors, blanc, noir, vert, qu'est-ce qu'on... Oh là 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 là! Mais c'est la folie de Maja. Je vais peut-être pas en prendre 3, hein. Maja Valo Belkacem, là, c'est une créature légendaire, je peux pas en foutre 3 sur le board. Hein. Je reprends ça, là. Combien j'ai de tour 2, combien j'ai de quoi? 3, c'est beaucoup, mais c'est fort. Elle est super rush, oui, elle est super rush. La botte, ah, qu'est-ce que vous me dites sur la botte? La botte dédaigneuse, mais on s'en fout, je joue pas bleu. La carcasse, non. Alors sinon, on a quoi, là? On a les... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'à la fin du tour, plus 2... Ah, ça peut être... Ouais, non, j'ai pris le truc, là, pour faire grossir, là. J'ai pas pris le truc vert qui fait grossir? J'en ai pas pris au moins un? Ah non, j'ai switché sur autre chose. Le truc vert qui fait grossir, là, on l'a pas. Voilà, moi, j'aime bien les ailes brisées. Parce que tu te fais toujours emmerder. Cadeau démoniaque, c'est trop bien? Bah, c'est trop bien. Oui, c'est un petit boost, quoi. Non, ça non, la poursuite acharnée, j'y crois moyen, je dois aggro, moi. Ouais, de toute façon, il me faut des boosts pour aggro. Hein. Tiens, tiens,
Tiens, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle merde? Vol lien de vie. J'ai une curve pétée par contre, hein. J'ai une curve éclatée. Je vais peut-être pas pouvoir tous les mettre, hein. Bon, on la prend pour le fun. La curve pétée. Chaque joueur sacrifie deux créatures. Oula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 l
Est-ce qu'on en a besoin, du coup, des marches claires? Est-ce qu'on a besoin d'en foutre deux? Est-ce qu'on en foutrait pas juste une? Comme ça, ça me fait combien de tours Ça fait un. Ouais, remarque, tu me diras, non, je suis censé être rapide. Donc, pensons rapidité. De toute façon, c'est dans les grosses qu'il va falloir... Bon, ça, c'est déjà, ça dégage. C'est dans les grosses qu'il va falloir tailler. Alors, on a dit vert, blanc... Ouais, en fait, on va juste splasher du blanc. Hein. C'est un vert noir avec un splash de blanc. Ça dégage. Ça, ça dégage. Les recluses, ouais, ça, c'est bien. Elle brisée, peut-être deux. Fidèle, machin, pourquoi pas. Le rat, j'y crois pas. Le voleur, ça dégage. Et l'invocation de la divinité, on n'en a pas besoin. On a des meilleurs trucs. On a les ailes brisées. Ensuite, on arrive à ça, ça dégage. Je vais remettre de la musique, pardon. Relaxing PlayStation Music. L'arc des elfes fait vraiment bien, garde la rune. Attendez, on fait d'abord les créatures et ensuite on voit comment on agrémente. Les renforts nains, ça dégage. La carcasse veule, ça dégage. Il nous reste une Valkyrie. Et alors c'est tour 5 où là on a un pic de curve. On a que des trucs pétés. Et on a 43 cartes. Et on a 43 cartes. Donc... On va tèche un mentor. On y croit à elle? Ouais, on y croit. On y croit à Donf. Est-ce qu'on... Non, on garde les deux majas. Espérant que ce ne soit pas dommageable. Enlève les majas. Mais l'équipement, c'est une créature. Ah! Ah oui, l'arc, il arrive avec un... Ah oui, c'est vrai, c'est pas un arc comme les autres. C'est un arc magique. Est-ce que je tège une aile brûlée ou pas? Ouais, l'elfe, il peut arriver avec un elfe. Tour 3. Donc oui, non, il est flex. Il flex à donf. Vire les ailes brisées. Vire les majas. Mais majas... Chaque fois qu'elle arrive, crée un... Ouais, fait des humains, par contre. Elle va être chiante à jouer. Ouais, c'est vrai, elle va être chiante à jouer. Vas-y. On a déjà plein de trucs pétés. Voilà, là, on est à 40. C'est U1. Là, on est à 41. Et on vire une aile brisée. On va virer un fidèle de coma. Voilà. On va virer un tour 3 un peu bateau. Parce que aile brisée, c'est quand même potentiellement un game changer. Franchement, tu devrais garder une maja. Ah. Alors, je tège quoi pour garder une maja? Vous êtes mignons, vous. Qu'est-ce que je tège? Le combat dans le blizzard, c'est un anti-bête. Hein. Potentiellement... Ressuscité, j'y crois un peu, hein. Je peux remonter deux saloperies, genre deux anges. Parce que Kaya, c'est... Ah non, c'est pas un ange. Mais la Valkyrie, là, c'est pas un ange. Ouais, je peux remonter les deux anges, même, si je veux. Tèche Vandale. Aile brisée, trop mou. Peut-être un Changelin. Tu vas rien jouer. C'est toi qui vas rien jouer. J'ai des fixeurs, hein. J'ai des trucs. J'ai gardé tous les fixeurs. Hein. Aile brisée, j'y crois. Je virerai une araignée. J'ai l'arc. Je virerai une araignée. Voilà, j'ai viré une araignée. Allez, c'est parti ! Merde ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, mais j'avais pas besoin de virer de truc, là. C'est bon, on remet l'araignée. Ah non, on avait dit on remet une maja. On vire une araignée pour mettre une maja, mais la courbe, elle est éclatée. Je vire une aile brisée, alors, je vous écoute. Pour mettre une maja, hein. Mais j'en mets qu'une. Ok. Allez, go. Ah, attends, j'ai pas regardé les terrains. Non, mais elle fait chier, elle demande deux mana blancs. C'est pour ça qu'il faut la tège. Moi, je vous dis, c'est de la merde. Moi, je vous dis, j'y crois pas du tout à maja. Maja contre elle brisée. Vous y croyez, vous, à maja? Ouais. Je virerais bien une plaine pour rajouter une forêt. Merde, comment on fait plus ça? Comment on remet en normal? Comme ça, là. Forêt. Mets-moi une forêt de plus, voilà. 4 plaines, c'est mieux. Tège maja et descends les terrains blancs. Bah, j'ai descendu les terrains blancs. J'ai mis une maja pour le flex, quoi. Mais...
Les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus 1 à chaque fois qu'une. Créer un terrain arrive sur le champ de bataille. Créer un jeton. C'est quand même un peu bien. J'ai envie de mettre tout. Allez, on est bien là. On est bien, il y a une maja, il y a tout. Il y a que des trucs idiots. Vas-y, on essaie. Faut virer maja. Bah écoutez, je vais voir comment ça sort. Et potentiellement, si la première partie est une catastrophe, je vire maja. Ça va être cool, ouais. Moi, j'ai encore des réserves, hein, on va voir. Hein, mémé ? Ah, mémé, elle est venue me porter chance. Tu viens me porter chance, la grosse mémé ? Grosse mémé, tu me portes chance. Oh. Wow ! Bah, on garde. Hein. On garde, on garde. On garde, on a fine tour 2. On a... Non, ça fixe rien du tout, ça. Bon, forêt... On a un ressuscité pour faire ressortir Finn s'il a réussi à tuer un gros truc. Allez, Finn, le porteur de... Mais vous avez raison, j'ai bien... Ouais, non, vous avez pas raison. Ah bah, Maja, ça va être tendu. Finn, il va carry. Ouais. James aussi, il va carry. Bon. Moi, je suggère... Qu'est-ce que je suggère ? Non, moi je suggère tout simplement la marche clairière pour faire un gros Finn qui va taper un poil plus fort et commencer à attaquer maintenant. Voilà. De toute façon, on est là pour attaquer. C'est pas à nous de subir là. Et hop, marqueur poison, ça pique, il peut se prendre ça que 5 fois. Putain, j'aurais peut-être dû prendre le deuxième Finn. Finn for the win. Ouais. De toute façon, s'il canne, je le remonte. Wow, c'est costaud ça. C'est très costaud. Putain, je peux le tèche de... Putain, mais c'est merveilleux là, ça, comment ça sort. Est-ce qu'on combattrait pas... Non, Agnania, si vous contrôlez 3 permanents des jeux. Je contrôlerai jamais 3 permanents des jeux, donc en gros... Une chose que vous contrôlez... Ces créatures se battent, donc ça veut dire qu'il faut continuer à attaquer avec Finn, de toute façon, voilà, c'est tout ce que ça veut dire. bon, on va tèche le gros. Pouf, ça clean, et alors là, ressusciter les bails. Ça remonte et ça redescend. Il commence à faire dans son froc. Problème, c'est que c'est plus une... Ah merde, l'initiative, et ça va me casser les couilles aussi. Alors, c'est génial, ça marche pas mon truc. Ça va marcher beaucoup moins bien. Tiens, tu sais quoi, je vais tuer le petit là. Le petit, je l'aime pas, l'initiative là, j'aime pas. Je le tue ou pas? Bah, allez hop, je tue le petit. Et j'attaque avec Finn encore, hein. Il va pas vouloir péter son Arni front cassé, si? Non, il veut pas le péter, donc il va se prendre 2 marqueurs. Voilà. 2 marqueurs poison pour toi, mon gros. Pour toi, public. Et ça, ça part en prod, en prédiction. Et là, je prendrais bien une plaine, là, si tu veux. Ou un truc qui me permette d'aller chercher une plaine. Non, je veux dire, ça peut être sympa. Alors, pouvez faire que... Ça fait quoi, ça? Ça fait quoi? Vous pouvez faire à 1 plus... Bon, bah, écoute, je bloque un peu. On attaque avec Finn.
il claque son araignée. Et bah Flynn il a bien géré. Il a bien trade plein de trucs. Et on part sur l'araignée, qui est quand même bien sympa. Tout est sympa. Bon allez. Ah mais attends. Mais ah non, je peux pas la jouer, j'ai qu'un marais. On est d'accord. Je me disais pourquoi. Oui, bah t'as une 4-4, et voilà, et bah tu sais pas quoi en faire. Bah oui. Est-ce qu'on fait revenir Finn? Est-ce qu'on fait revenir Finn? Bon déjà on attaque avec l'araignée. Il va pas bloquer. Voilà. Et est-ce qu'on fait revenir... Non, on va poser ça. On va poser ça tranquillou. On va poser ça tranquillou. Ah, vous me dites oui, j'aurais dû faire revenir Finn. Bah écoutez, au prochain tour peut-être. Finn, c'est pas un elfe, non. Il reviendra pas avec des tokens. C'est pour ça que j'ai hésité aussi un peu, mais... Bon, on va faire revenir Finn, ne serait-ce que pour gérer sa 5-5. Hein. Mais y a pas de bloqueur, mon gars, y a pas de bloqueur, tu peux y aller. Ouh là là. Ouais, il a tout donné parce qu'il le sent pas. Il le sent pas, la suite, il le sent pas. Il sent bien que ça va être compliqué. Et ici, ça a lien de vie. Et on va faire revenir Finn. Non! C'est le moment de jouer le surnuméraire. Allez. Tac. Voilà, cibler une créature pour en faire une plus balèze. Elle. Mais létale. Tiens. Oh là qui va là, c'est l'inexorable, elle est trop balèze. Ouh, je sais pas ce qu'elle fait, j'ai pas lu, j'ai encore joué sans lire. Alors, cibler jusqu'à une créature dont je tombe, était un marqueur, exiler un permanent non terrain ciblé. Bah écoute, on va exiler un permanent non terrain ciblé, hein. Et attaquer avec tout, parce qu'on n'a pas le temps. Allez Kaya, on va te caillasser. Shipper, arrête de shipper. Bon, c'était bien. Ouais, ouais, kill un truc, Kaya. Good call. Et puis finalement, ouais, tu vois, j'ai pas fait revenir Finn, mais... Bon, c'est vrai que c'est bien, Finn. Et vous avez raison, hein, je le sens pas, les... la carte morte d'elle brisée, là, finalement. Maintenant que j'y repense, peut-être qu'il faudrait mettre un truc mieux. Comme par exemple... Comme par exemple quoi? La rune? La rune qu'on pourrait mettre sur l'arc pour foutre contact mortel à d'autres trucs? Ah, ou un cadeau démoniaque? Une autre araignée. Non, j'ai tout mis les araignées. J'ai tout mis les araignées. Elles sont toutes les deux là, les araignées. Il me semble. Elles sont où les araignées? Oh, les araignées. Oui, elles sont toutes les deux là, les araignées. Mais Finn, je l'ai déjà mis, Finn. J'en ai qu'un. Je l'ai juste pas chopé, quoi. La rune, c'est pas mal. La rune, c'est pas mal si j'ai un arc. Sinon, ça fait juste contact mortel, quoi. Alors que, à la limite, ça peut être plus marrant. Parce que les trucs, ils arrivent et ils repartent. Et il y a des trucs qui, quand ils arrivent, ils font des jetons. Vous voyez le... Genre ça là. Quand ça arrive sur le champ de bataille, bam, ça fait des jetons. Allez hop, ça combote un petit peu. Et puis avec Finn, c'est sympa. Mais un deuxième Finn. Mais j'ai pas de Finn. Bon, et Maya, il nous a pas dérangé. T'es en draft ou tu débutes? Je débute, j'essaie de comprendre les règles et de lire les cartes. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Par contre, je suis en draft. Ah oui, la rune, elle pioche une carte. Mais oui, vous avez raison. Un cantrip, mais oui. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette main de merde? Elle est chargée, hein. Elle est chargée. Putain, je disais que ça fixait la sentinelle, mais ça fixe pas tant que ça, hein. Bon, au moins j'ai. Bon, allez, vas-y, on garde. Vous avez dit ça garde, hein? Ça garde, bon, ça garde. J'ai chaud, moi. Bah, mémé. Il recommence à faire chaud dans cette ville, là. Alors, forêt, sentinelle. Bon, c'est une 1-2 portée. Bon, ça marche avec des jetons, ce truc-là, quand même, hein. C'est comme au casino. C'est une 2-2 lien de vie. D'accord. Putain, j'ai rien à foutre. Ouais, bah ça... Eh ben, on n'est pas aidé, hein. Bon, au moins, j'ai 3 manas, je peux jouer la recluse après. Bonsoir les gens de chez Mister JD, c'est pas passionnant ici, hein, je joue juste à Magic. Vraiment rien de passionnant, hein, vous attendez pas le pipi sort et le CAC 40. Évidemment. Je me suis dit pourquoi ils disent tous ça. Ah mais oui. Ah mais oui. C'est ceux de chez JD, ils sont un peu cons. Ils rigolent aux blagues de pipi et de caca. Bon, c'est vrai que l'autre elle a le lien de vie là, elle commence à casser les couilles. Puis j'ai pas de bon trade avec mon combat dans le blizzard là. MTGA, c'est pas passionnant. Bon, non, mais c'est juste moi. En fait, c'est des trucs que. Bah non, pas de blocage, tant pis. Oh, gna gna, j'ai le lien de vie. Ouais, gna gna. C'est bien, t'es meilleur que tout le monde. Bon, ceci dit, au prochain tour, on peut jouer la Valkyrie. Et là, il sera bien feinté. Wow, on va se calmer sur les trucs là. Sur les gains de points de vie. Mais on peut jouer la Valkyrie. On peut complètement jouer la Valkyrie, de toute façon on a que ça à foutre. Ah non, ah oui, non, on va jouer la Valkyrie. Il me faut du noir. Et on engage ça. Et voilà. Et elle a la défense talismanique contre les planeswalkers uniquement. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que je la sens bien qu'elle va se faire poutrer, la vache Kiri. Elle va se faire poutrer. Regarde, il est en train de se dire comment je vais la poutrer. En blanc, il peut l'isoler, l'exiler, faire des trucs à la con. En bleu, il peut me l'engager et puis elle reste engagée ou des trucs comme ça. Enfin, il a des solutions. Il a des solutions ou alors il va booster son truc. Ouais, bah booste ton truc, c'est bien, t'es content. Ouais, bah c'est bien. Défense, vol, lien de vie. Écoute, on va buter. Y a rien qui vole là. Alors attends, qu'est-ce qui est fort? Chaque fois que vous lancez votre deuxième tour, ça on s'en fout. Bon, on va buter ça. Hein. Le truc qui fait grossir. Je sais que je perds ma vache qui rit, mais hop, quand même je reprends un peu de PV. Et puis on sait jamais qu'on pourrait peut-être aller la rechercher plus tard. Tiens, on a le chercheur sinon. 3-2. Allez, c'est l'heure du mentor. C'est pas ouf hein, ce que je fais là. Mais oui, mais je peux pas me permettre de perdre trop de points de vie non plus. Je vais continuer à le nourrir en créature. Je peux pas me permettre de perdre trop de points de vie, mais j'ai Kaya en main. Hein. J'ai Kaya, j'ai Frigia là. Firja. Ça fait 2 games sans piocher de mana. Bah écoute, pour l'instant on s'en sort. De toute façon, après on va faire le passage si vraiment. Mais tant qu'on peut poser des créas, faut contenir un petit peu. Lui il va s'épuiser avant moi. Hein. Alors ça vole. Oulala. Ouais, bah tu gagnes des PV, bah c'est bien. Oh putain, ça vole et ça. Ah ouais. Ah bon, y'a pas de prénom. On va buter ça. Et on va limiter la casse quand même. C'est bien, t'as 32 points de vie, t'es vraiment le roi des champions. Crétin. Crétin de merde. Crétin de touc. 1, 2, 3, 4.
Alors, peut-être pas Kaya tout de suite, on va plutôt jouer Firja, qui est belle comme un soleil. On veut du noir. Hop. Et qui a le lien de vie surtout. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu lui as mis dessus là? Ah non, il en a deux, d'accord. Il en a deux. Exile la 3-3 avec Kaya. T'inquiète pas que je vais l'exiler sa 3-3. En attendant, j'ai besoin de pouvoir bloquer des trucs. Et si j'avais pas besoin d'engager mes créatures pour avoir du mana aussi, ça m'arrangerait un peu des fois. Ok. Ok, le gars il attaque avec tout. Bah écoute, on va bloquer ça hein. Ah je prends cher. Ah, je prends cher. Je remonte à 5. Elle a pas la vigilance. Elle a pas la vigilance du tout. Mais bon. Oh lolo, la 4-4 vol. Et c'est la 4-4 vol. Écoute, on va faire un combat. Un combat un peu secure dans le blizzard entre Firja et le petit là. Comme ça, pouf, je regagne 2 points de vie, je suis un peu plus à l'aise. Et ensuite, recluse. Quoi? Chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, regardez les 3 quarts du mais attaque, mais la lune d'aide. Alors, mettez l'une d'elles. Donc, qu'est-ce que là, je choisis, qu'est-ce que je mets dans ma main? Bah, écoute, là, dans l'absolu, le marais, moi, ça me paraît pas mal. Comme ça, tac, et... Non, on va pas faire ça, on garde tout dégagé, on est mieux dégagé. Voilà, il y a quand même deux araignées pour gérer le... pour gérer la volante. Et je vais me remonter mes PV avec Firja, là. Ah, ça y est, ça commence à faire caca dans son... Enfin bon, bref. Enfin, je me comprends. Et on va lui buter déjà la 4-4 vol. Parce que c'est de la merde. Et ensuite, on peut commencer à attaquer avec cette bonne vieille Firja. Ça va être un travail de sap, mais on remonte les PV comme ça doucement. Eh bah ouais, bah là tu sais bien que c'est fini. Là tu sais bien que c'est fini. Alors, on va mettre un marqueur sur, par exemple, cette araignée du plus bel effet. On va poser un chercheur. Oh, j'aurais dû mettre le fidèle plutôt. On va chercher un deuxième. On va chercher une plaine. Qu'est-ce que je mets dans ma main? Fine. Un mètre fine. Bon, par contre, ça meule ces conneries là. Et lui, il a plein de PV. Donc, on va arrêter de jouer maintenant. Il est temps de jouer fine. On va la jouer fine. Je peux me permettre? Oui, je peux me permettre. C'est bon, on est à 9 PV maintenant. Et on garde une araignée en défense. Oh, oui, allez. Retour, c'était mieux. Bah écoute, on n'a pas mis retour. Voilà. Allez, mon con. Qu'est-ce que tu fais de ma grosse 4-2, là? Tu t'es trompé d'araignée. Lol. Vous êtes des gauleries, vous. Mais tu vas pas gagner comme ça, mon gars. Je me suis pas du tout trompé d'araignée. C'est vous qui vous êtes trompé d'araignée. Et pouf! Et j'ai maintenant une 1-1 qui vole.
Et puis bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Don't worry. Allez, c'est complètement pété ce qu'on fait là. C'est bien ça. Attends. Oh merde, non, je vois trop tard. Allez, on attaque avec tout, on s'en fout. On n'a pas le temps de toute façon. J'aurais dû faire la marche clairière. Tu protèges ton Planeswalker ? Non, je protège pas le Planeswalker. On va gagner. Enfin, peut-être que je le lise lui. Non, c'est bon. Y'a pas besoin, on lit rien. On continue de rien lire et on gagne. Mais c'est le retour de l'araignée. L'araignée, le lien de vie. On a un board comme il faut. Merde, faut que j'arrête de faire deux tours. Je vais me meuler trop là. Le gardien, il est bien. On va payer le gardien. Hop. Et tu vas me faire une plus grosse Freya là, Freja. C'est bien la partie pour gagner là. Ça va. Sauf s'il me clean le board avec le clean magique, mais il restera toujours ma Kaya qui est déjà ingérable, donc bon. Il a mis quoi? Ça fait quoi ça? Gna gna gna, la créature enchantée a le lien de vie. D'accord. Ouais, je veux dire, c'est sympa. Hop. Merde, j'aurais dû... Bon, c'est trop tard. On s'en fout. De toute façon, on n'a pas le temps. Alors, je sais pas s'il y a la colère des dieux, mais je crois qu'il y a un truc qui ressemble quand même. Non, mais... Ouais. Bon, tu veux pas abandonner? On gagnerait un peu de temps. Bah oui, bah non. Bah, mémé. Doomscar, ça s'appelle Doomscar. Peut-être qu'il espère le piocher sur ses 23. Bah non, bah il l'a pas pioché. C'est ballot, hein. Bon, on va pas taunt, hein, voilà. Bon, on s'en sort pas si mal, hein. Je l'ai bien remonté, j'ai gardé sang-froid et self-maîtrise. Et mine de rien, mon fixeur, j'y croyais pas trop à ce fixeur-là, mais en fait, il fixait, hein. Vous aviez fait des paris, là ? Oulala, que du noir. Ah, c'est pas bon parce que c'est pas ça qui va me donner du mana, c'est pas avec ça que je vais fixer. Merde, j'ai fait garder! Oh, je me suis trompé de bouton. Merde, je vais color death. Je le sens, je vais pouvoir juste jouer ma fidèle de coma. Et voilà. Ah non, je peux foutre ça en... Ah, j'ai un tour 2, je peux foutre ça en prédiction. Je vais faire... Ah non, je peux même pas, j'ai pas 3, ouais. Aïe, ça c'est la galère. Ah, ça c'est la tuile, hein. Ça c'est la belle tuile, ça. Ça c'est... Ouais, ça c'est la belle couille. L'abeille cool. Et c'est parti pour le choke. Alors, oui, alors lui il crée des conneries. D'accord, ok, bon, très bien. Et c'est parti pour le choke. Une forêt, s'il te plaît. Ouais, ou un truc qui fait du mana, ou une forêt surtout. N'importe quelle forêt. Franchement, celle qui te fait plaisir. Oh, mais c'est la forêt. Bon, les dégâts sont limités. Alors. Recluse, comme ça commence à taper. Bah déjà on va attaquer. Parce que là même s'il défend, pouf, lien de vie. Et ensuite mentor, voilà. Mentor, et là s'il attaque avec sa 2-4, je bloque avec mentor plus jeton.
Et ensuite, je fais un retour à la marée. Ça me permet de gagner du temps en attendant Firja, par exemple. Le passage vers l'arbre-monde va aller me faire chercher une plaine, sinon... Bon, ouais, c'est bon, là, ça se déploie. Hein. Là, c'est bon. T'as raté un raid. Ah, pardon, j'ai pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. C'était Daz JDM. Bah merci Daz JDM que je ne connaissais pas, Daz JDM. Je vais regarder ta chaîne. Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Pas grand-chose, il m'a posé une faucheuse vengeresse, vol, contact mortel, célérité. De ouais, c'est sympa. C'est très sympa. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon écoute, on va attaquer avec elle et elle. Et ensuite, c'est passage vers l'arbre-monde et Firja. Enfin, Firja pour après. Mais c'est déjà passage vers l'arbre-monde. On va chercher cette petite plaine qui nous fait tant défaut. Et on pose une petite araignée qui protège la faucheuse. Et là, on va commencer à être bien. Qu'est-ce que c'est encore? Ouais. Quoi? Oh, il va me sortir une grosse guivre, un truc comme ça. Ah non, il va buter mon araignée. Ouais, super. T'as pas encore vu Firja, toi? Firja. Ah, ceci dit, il est pas non plus méga en confiance, il attaque pas. It's time to Firja. Et it's time to attack. Oh, j'aurais dû attaquer d'abord. Pour conserver un petit effet de surprise. Elle a pas l'initiative cette fois-ci. Non, on va pas se faire niquer. Est-ce que j'ai des trucs chouettes à récupérer dans le cimetière sinon? Oh, j'ai le maître de guerre! Ça combote ça! Oh merde, j'ai Firja, elle est partie. C'est un elfe ça? Ouais, c'est un elfe. Est-ce que je fais revenir Firja ou je fais le combo avec le maître de guerre? Combo mentor elf, hein? Allez, de toute façon, j'ai d'autres trucs pour aller chercher après, donc... Oh, ensuite, je peux mettre le marche clairière. Putain, ça défonce. Alors, attends, il est où? Il est là. Et là, c'est la folie dans les studios! Ouais, par contre, on n'a pas... Bon. Pas non plus beaucoup de force. Hein. Ah oui, elle est exilée, c'est vrai, elle est exilée. Mais arrête de faire ça! T'es vraiment un connard! J'aime pas quand il fait ça. Qu'est-ce qu'il me sort cette fois? Un truc de merde. Ah, il a rien trouvé! Il a rien trouvé. Eh ouais, t'as séché là, mon combo d'elfe là. Voilà. En vrai, il paye tous ses sorts 8 mana et en plus, oui. C'est vrai. Allez, salut les gens qui s'en vont, c'est vrai qu'il est tard. Allez, 3 victoires, 0 défaites, on continue. Oublie pas la capacité du mentor, c'est vrai. C'est pas faux. Avec un gros misplay de départ. Ouais, je pensais pas que ça allait finalement sortir. J'ai eu ma forêt, donc bon, ça, tout s'est arrangé. Non, Vaudou, je ne suis pas ces histoires-là. Je suis pas. J'ai des potes comme ça qui sont fascinés à regarder les fachos, tout ça. Moi, j'avoue, je ne suis pas ce qu'ils regardent, ce qu'ils font. Alors, on a forêt machin, et on a fine, et on a fine, surtout. Bon, on va la tenter, hein. Ah, on a les cadeaux démoniaques, on a fine. On peut foutre une petite pression dès le début. Et faire grossir fine avec le marche clairière aussi. Par contre, il va quand même nous falloir des terrains au bout d'un moment. Oh, bah c'est pas si mal.
C'est pas si mal. Donc là, ça va dépendre de ce qu'il pioche, de ce qu'il pose surtout. Mais il est con. Ah non, il en a deux. Il en a deux. Bien, ouais. On va faire autrement. Mais enfin, bon, niveau card advantage, c'est pas zinzin ce que t'as fait. Mais bon. On a un petit libérateur. Ok. Ça, on va pas le jouer pour l'araignée quand même. On va faire le mentor là. On va faire le mentor. On va peupler un peu le truc. Après, on aurait pu faire autre chose. Ouais. Pas d'attaque pour l'araignée pour l'instant. On attaquera avec des... Ah, tiens! Lui, il veut me poser des géants. Lui, il est parti sur le délire des géants, lui. Faut que je speed. Piocher une carte. Nanani nanana. Nanani nanana. Oh! C'est bon, ça! Faudrait que j'exile Finn, par contre. Non, je vais attaquer d'abord, avec tout. Ensuite, je fais Vandal, et je pète son enchantement. Et ensuite, je fais marche truc. Vas-y. Ah, j'aurais dû faire... non, si, vas-y. Vas-y, vas-y. Il va c'est trop tentant de péter l'araignée. Pète l'araignée. Voilà. Il pète l'araignée, je vais exiler l'araignée. Ou alors, je sauve l'araignée. Ah bah non, j'en ai besoin dans mon cimetière. Parce que je voulais pas exiler Finn. Voilà. Hop, hop, hop. Putain, pour une fois, là, j'ai l'impression de jouer intelligemment. Et ça dégage la saga. Alors, qu'est-ce qu'on en profite pour faire? On en profite pour... booster... je sais pas, lui. On va avoir des géants, on va avoir des carcasses à gérer, des 4x4, là. Et le cadeau démoniaque, De toute façon, ouais. Oh, c'est l'abandon en race campagne. C'est l'abandon en race campagne, ça dégage. Allez hop, rang supérieur, qui c'est qui est platine 2? C'est ton cul, voilà. De victoire, 0 défaite. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On speedrun le draft. Pour l'instant, c'est imperfect. Avec un seul gros misplay. Sa mère lui a dit de se coucher. Eh bah. C'est bien. C'est bien. C'est bien. J'y crois à Donf. Allez. Bon, j'ai pas de tour 1, mais tour 2, maître elf, tour 3, marche gars. Oh! Ouais, je sais pas. On va voir. Non, bah non, tour 3, ce sera le fidèle. Tac. El maestro de la guerre. Chaque fois que Nania et lui, les elfes que vous contrôlez gagnent plus 2 et acquièrent le contact mortel. Mais ça défonce. Sauf que lui, il va se prendre un choc, lui. Comment s'appelle déjà leur choc? Je sais plus. Bon, on va la jouer fidèle de coma. Il va me choc le truc, c'est obligé. Eh oui, oui. Mais c'était sûr en fait. Pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas 12 win max, c'est. La cavalière. Putain, j'ai tous les manas qu'il faut. Alors. Ouais. Mais oui, voilà, c'est ça qu'on va faire. Cadeau démoniaque. On va mettre une forêt pour l'instant. Voilà, on va attaquer. On va attaquer de toute façon. On va attaquer et faire cadeau démoniaque s'il y a un problème. Et s'il bloque pas, il bloque pas. Donc. Bah, pourquoi je peux pas jouer ça? Ah oui, parce que j'ai pas posé le marais. Oh, bah, j'ai fait l'idiot là. Et je le mets sur lui le marqueur parce que.
Fallait attaquer d'abord, c'est toi qui fallait attaquer d'abord. Ça, ça va être bien, ça, à la limite, la chute de l'imposteur. Quand ça va arriver, ça faut que j'ai le temps de poser ça, mais c'est bien. Qu'est-ce que tu trafiques ? Alors, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, si du mana... Gnagnagna, ok, un marqueur +1/+1 sur ce truc-là, d'accord. Ok. C'est gérable, c'est gérable. C'est gérable. Oh là là, casse-couille, c'est casse-couille. Ça y est, ça commence à être casse-couille. Ça commence à être casse-couille, il va me falloir des araignées là. Il n'attaque évidemment pas. Bon là on va pouvoir faire tac. Chute de l'empereur. Comme ça tout le monde peut péter le marche-feu. Et on reste en défense, on fait style on a peur. Et on tentera le cadeau démoniaque en cas de problème. Le problème c'est son petit rapace de merde là. Puis même l'araignée elle le pète pas complètement parce que lui il a l'initiative. Oulolo, qu'est-ce que c'est que ça? Gnagnagna, tant que le... Donc la créature... En gros il lance le marteau pour... Il paye 3 blessures à n'importe quelle cible! Ah ouais! Ah c'est pas mal le marteau là! C'est combien pour l'équiper? 2 seulement? Oui d'accord. Ah putain il va le mettre ça à son rapace. Bon, ça va être plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué. C'est bourrin hein. C'est bourrin. Donc c'est une +3/+0. Tant qu'elle est légendaire. Ah oui non, ça marche que sur les légendaires le +3/+0. Sinon, il va me la jouer marteau de Thor. Par le marteau de Moradin. Par le marteau de Moradin. Est-ce que ce serait pas à moi d'attaquer en fait maintenant? Non hein. Non, on va attendre que la saga se résolve. On va attendre que la saga se résolve, c'est le marche-feu ou la cavalière qui va canner. Bon là je... Ouais. Bon là c'est elle qui va canner là, c'est la fidèle de coma là. Ouais. C'est la fidèle de coma. Ah! Je peux la sauver? Non parce que là je tuerai personne donc c'est pas très intéressant. Bah il va pas attaquer hein, il va pas attaquer là. Faudrait peut-être que je pète elle parce que toutes les créatures qui posent arrivent avec des marqueurs et ça m'arrange pas quand même cette histoire. C'est elle que je vais péter. C'est la péter. Bonjour Valkyria 11 1997. Vous êtes si nombreuses que ça les Valkyria? Ouais bon évidemment, il va continuer à me grignoter au rapace. Rapace de pique. Ouais c'est bien le moment. Ah putain il choisit cet enfoiré, c'est pas moi qui choisis. Bon bah ça va être à moi d'attaquer maintenant. Je fais plus mal. Sauf que là s'il attaque avec sa 3-2, je lui fais le coup avec la marche clairière. Hein. Je lui fais le cadeau démoniaque avec la marche guerrière. Putain, ils sont où mes trucs forts là? J'ai tout le mana là. Je demande pas grand chose, un planeswalker, un ange qui défonce là. Valky ou Valkyria et je suis un garçon. Mais tu es bien ce que tu veux mon grand. L'important c'est de toujours croire en tes rêves.
Bah, il va attaquer. Il s'est fait une collecte de mana, là. Allez, le retour du marteau débile. Ouais. Sauf que là, elle est bien Keblo, ma 4-4 avec sa 4-7, là. Ouais, bon, on va lui faire le coup nul, hein, mais au moins, ça, je voulais le buter depuis longtemps. Donc... ça, il fallait le buter, de toute façon. Donc... bah, je vais le garder en main pour faire peur, mais au moins... je bloque la 4... ah, oui, 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 oui. Je bloque la 4-7, quoi. On demande pas grand chose, on demande une putain de mythique, on demande une légendaire, on demande un truc qui pète un peu là. Même une araignée, tu me... ah non, l'araignée, on a dit que ça tuait pas le rapace. J'ai combien? J'ai 23 cartes. Oui, je sais qu'il a le marteau, je sais bien qu'il a le marteau. J'ai un elfe qui pète les enchantements et les artefacts, mais il tombe pas. Légendaire! Eh bah super, t'as le marteau. Bah oui, bah c'est bien, tu vas faire quoi? Tu vas me l'envoyer dans la gueule directement? Tu peux me l'envoyer dans la gueule directement ou pas? Ah ouais, n'importe quelle cible. Tu peux complètement me l'envoyer dans la gueule directement. Ok. Ça commence à être chiant. Là, on réfléchit pas, hein. Putain, il va me counter? Non, il va pas counter. Tu vas pas counter Frigia quand même? Tu peux pas la tuer avec le marteau directement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais continuer de garder mon marais pour faire peur. L'aspect psychologique. Hein. Je connais cette dick. Ah oui, mais c'est FF7. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, les ailes brisées! Oh, les ailes brisées! Alors que moi, j'aimerais bien là, avoir une aile... ah, putain de ta mère! Comment il s'appelle? Chamberlain? Je t'emmerde, Chamberlain. Ton jeu de merde. C'est moi qui sors pas. Si je sortais... tu verrais ce que je t'enverrais dans ta gueule. Tu verrais. Ah, c'est FF8, pardon. Coup dur! Coup dur pour Freja, là. Firja, Firja. Bon, c'est une variation sur le thème de Freya. Ah là là là. Mana Flood, la meilleure. Et en même temps, il me fait... bon, j'ai ma grosse 5-5 qui permet un peu de temporiser, mais pour combien de temps? Il peut m'envoyer son marteau dans la gueule, ça va me faire 3 en moins. Et bah oui, c'est ça qu'il faut faire, mon gars. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. À la fin de mon tour, peut-être, en douille. Bon, ok, il s'en bat les couilles. Mais ça marche que si elle est légendaire, il... tiens, Maja. Je suis un gros 6-6 maintenant. Mais ça n'est toujours pas les gardiens de la mission de Dieu. De la maison de Dieu. Dios mio. Bon, on a Maja. Vous voyez que Maja est sort. Hein. Là, quand je me fais mana flotte comme ça, c'est sûr que Maja est sort. Vas-y, fais. Eh, Maja est saute aussi. Évidemment, le marteau. Je me suis réjoui un peu trop vite. Ma tête, il n'y avait plus le marteau dans les calculs. Alors que bah, j'aurais dû. Et hop là, engagé. Et puis voilà, on se dirige doucement vers une petite échec. Voilà. Gérard Maja. Pas mal, Gérard. Allez hop, allez, ça suffit, ça suffit, ça suffit les terrains. Ça suffit, ça suffit. Je redescends pas en Ligue 2, là, c'est bon. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, il se fout de ma gueule. Première défaite, première défaite.
On a donc confirmation qu'elle n'est pas assez puissante pour rester Maja. Mais si, elle est puissante. Le deckland, ça gagne pas. Le deck Pureland, ça marche pas. Oh, bah ça c'est bien ça. Oh là là, on a la vache Kerry. Et on a un tour 3 avec l'araignée, bon. C'est bien, c'est bien. Là, faut pas mulligan ça. Putain, il est classe son avatar là. Je sais pas qui c'est ce gars là, mais. Borovizek. Oh, il est à la fois Boros et Slavoj Žižek. En vrai, Maja, soit tu es bien et elle sert à rien, soit tu es mal et elle te fera pas gagner. Bon, si, elle peut mettre le kill et le faire venir plus vite, tu vois, parce qu'avec tous les tonges, les petits tonges qui sont posés. Ah, c'est Garouk. Ouais, mais là, c'est Dark Garouk, là. Garouk, il me semblait que... Ah, tiens. Garouk, il me semblait que c'était plutôt un truc vert-rouge. Je sais plus, les trucs comme ça, là. On a un tour 2, qui est un tour 1. Tu t'en sors avec Kaldheim ? Je m'en sors. Pour l'instant, ça va. Oh là là, on a tous les manas qui vont bien. Mais c'est scandaleux, cette sortie est scandaleuse. Scandaleuse sortie. Le Garouk Golgari. Ah, il est de nouveau vert, d'accord, ok. Ah, moi, je le trouve super dark. Tu vois, il est trop dark. Tu vas me péter ma 4-2 ? Garde-en pour ma vache Kerry. C'est vert, Garouk, ouais. Il a fait quoi là? Ah, il a refoutu un truc en prédiction. Écoutez, j'ai envie qu'il gâche plutôt ses sorts sur mes premières créas, genre ça là. Parce que là, il a des sorts en réserve, il a des trucs. Je préfère qu'il les pète là-dessus que sur mon ange, dans laquelle je crois un peu plus. On va la garder pour l'instant. On a un anti-bête s'il y a besoin. Donc soit toi tu fais quoi toi? Ah ouais, piocheur, tranquille. Ok. Pas de race. Boum l'araignée. Vous voyez? Ouais, et elle a pas la... On va continuer sur ce plan là. Hein. On va continuer sur ce plan là. On va péter la 3-3. Et on va mettre le mentor. Non, on va attaquer. On va attaquer d'abord. De toute façon, c'est lui qui te choque à 3 mana là. Ah bah voilà, bah on pète même pas la 3-3. Et mentor. Mais la pression. Non, ce serait bien qu'il reste à 3 là. Il est bien à 3. Avec sa main pleine de givre. Je les imagine tout le temps avec la main pleine de givre. Dès que les mecs ils te choquent un peu en mana. Alors, tu vas bloquer ça ou pas? C'est bon, on va pouvoir commencer à poser des anges. Hein. On va faire celle qui tape le plus fort. Oh là là, elle a une petite animation et tout. Vantardis, qu'est-ce que t'as en Vantardis? Sacrifier une créature, chaque adversaire sacrifie une créature. Putain, j'ai un jeton en plus, mais c'est une sortie de fumier que je fais là. Oh non, elle est cassée. Ça y est, elle est cassée. Heureusement que je pourrais m'en servir pour faire un combat dans le blizzard, hein, tu me diras. En attendant, pic-pic et Firja. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Machin, vous pouvez révéler une carte d'elfe de guerrier et la mettre dans votre main. D'accord, ouais, mets des trucs dans ta main, ouais, si tu veux. Comme un faible. Comme un lâche. Que tu es.
Et ben voilà, tu vois, Freja, pendant qu'elle est... non, Valkyrie, machin, mes couilles, là. Tu vas te battre avec lui, là. Voilà. Ah, tu pensais qu'elle allait servir à rien, alors qu'en fait, elle a encore resservi. Et je garde ça en main pour faire peur. Non. Comment ça, non? Pourquoi non? C'est toi, non? Mais non, mais j'ai... Ouais. On continue la pression ou pas, là? On continue la pression. C'est peut-être un peu con, ça. C'est peut-être un peu con. C'est très con. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû assurer ma voix par les airs. Ça sert à rien de conserver une 1-2 comme ça. C'est Firja qui est intéressante. Merci Black Pudding. Arrête de bloquer sur Twitter bloqué. Waouh, ça pioche, hein, ça multipioche là en face. Et moi j'ai plus rien. Bon. Là je serre les fesses. Hein. Je commence à serrer les fesses. Enfin, je serre les fesses à 33 points de vie, mais je serre quand même les fesses. Et pourquoi je bloquerais ça? Ah! Parce que ça a le lien de vie. Ça y est! Ça y est, on est dans une situation débile. Oh, ça suffit les manas. Je peux même plus attaquer avec Freja. Parce que sinon l'autre il va me compenser en... Bon bah on attaque plus avec Freja. Putain. Ah. La bonne blague là serait de piocher Maja. Naja, Maja. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et ce n'est pas Maja. C'est une marche clairière. Qui me permet d'avoir une plus grosse machin. Allez, on attaque. Allez, on a le temps. Bam. S'il essaye d'attaquer avec sa 2-2, on peut la buter. Ouais. Après, il doit avoir des tricks, des trucs, des trucs et astuces jeuxvideo.com, là. Ouh là là, c'est pas bon, ça. Putain, il me colle au cul. Ça, 3-2, je m'en fous. C'est elle, là, que je veux buter, là. C'est pas possible d'avoir un lien de vie comme ça, là. Ah bah, là, non, là, je bloque pas, là. Non. Ah... Mais c'est du foutage de gueule là. À ce niveau-là, c'est du foutage de gueule. Regarde son elfe de 2. Ah oui, t'as raison. Oh, merde. Je l'avais même pas regardé. Je l'avais même pas regardé. Et en plus, elle va partir en exil si j'ai pas un pet enchantement là. La pauvre, la pauvre. Il est où mon Planeswalker? Mon Planeswalker. C'est win, bloque et termine le tour d'après. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Bah oui, j'ai Kaya, mais... Ça suffit, ça. Il va remonter ce con. Bon, je m'en fous, je continue, hein. Je vais pas lâcher l'affaire, mais il va remonter ce con. Ah bah je peux faire grossir. Bah elle va mourir. Oh, pff, quelle angoisse. Voilà, je peux le faire tomber à deux. Je peux le faire tomber à deux.
avec ma marche, marche, machin, là. Marche malo. Là. Allez, Firja, donne tout ce que t'as, fous-le à deux. Bravo, t'es la championne, vraiment, t'es une merde, tu m'énerves. Horrible les chutes de l'imposteur x2 là. Gnagnagna, elle est morte, bah oui, elle est en exil en plus, elle peut pas revenir. Bah écoute, pour l'instant je vais te laisser un peu passer, je vais buter d'autres trucs si je peux les buter, mais voilà, je vais buter ça là. Et il va tout me remonter avec sa 6-6, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh non, mais j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. J'ai été greedy à des moments. Je voulais. J'aurais dû garder quand j'étais bien. Plutôt que de jouer les trucs. De toute façon, maintenant, j'ai des terrains jusqu'à la fin de la partie. Hein. Bah oui. J'ai encore un peu de temps. C'est vrai que j'ai des PV, quoi. Donc, maintenant qu'on en a fini avec ces putains d'enchantements débiles. Alors là, je me mange 9 et 1, 10 et 12. 12. 12. Je peux pas tenir non plus très longtemps comme ça. Et lui, il remonte. Je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Excellent, de la merde. De la merde. De la merde. T'as 3 tours. Non, j'ai 2 tours. Vous avez vu, lui ? Voilà. Et le dernier tour. Eh bah, t'arrives à temps, toi. Franchement, ça fait plaisir que tu sois venu, à la limite, mais même pour, tu sais, c'est vraiment le mec qui arrive à la fin de la soirée, tout le monde est déjà bourré. Ah, bah, ça fait plaisir de te voir. Ouais, mais de toute façon, je reste que 10 minutes. Allez. Il a pas lu sa carte. Quoi ? Qui a pas lu la carte de qui ? Je suis dead. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai raté des trucs ? La 2 de elf, l'adversaire l'a pas lu. En face, l'elfe. Quoi, l'elfe ? Qu'est-ce que vous avez avec l'elfe ? Ah oui, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Lui, il a pas joué le truc pour booster les elfes, ouais. Oui, bah oui, c'est vrai que ça, on l'oublie. Bon, deux défaites. Je pouvais pas rester sur le run de 4 victoires. C'était trop merveilleux. Il pouvait t'avoir plus vite. Ouais, bah je l'avais pas lu non plus. Écoute, c'est de bonne guerre. Personne l'avait lu. T'as flood aussi. Ah oui, j'ai pas mal flood, ouais. Oh là là, y'a pas de forêt. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bah, on va dégager Maja, mais ça va. Ça va. On peut jouer les deux recluses. On est bien. Encore une défaite du deck land. C'est vrai, le deck 100% land. Mon deck est composé à 90% de land, à 50%. Et c'est parti, les faucons à la con. Eh bah dis donc, elle va peut-être pouvoir arriver vite, Firja. Elle va peut-être poser tour 5, la Firja. Eh ouais. Peut-être. Déjà, on va calmer le faucon. Bon, il va me le booster, son faucon.
Mais bon. Esprit en clairon, ça fait quoi à chaque fois? Il chie des esprits, d'accord, ok. Il va pas tout claquer sur mon araignée quand même. Marc, s'il le fait, ça empêchera qu'elle prenne un autre marqueur après. Donc c'est tentant. Je t'offre un deal sympa. Par contre, t'es bien niqué par le tour 3 quoi, de la saga. C'est fort ça, hein. C'est fort la chute de l'imposteur quand même. Pas ouf ton play. Ah ouais. Voilà, ça tue tout. C'est mieux si c'est ouf, mon play. C'est vous qui êtes pas ouf. Voilà. Alors, Loti, j'ai des belles plaines, j'ai des beaux marais. De toute façon, là, au prochain terrain, j'ai Firja. Comme Jaja. Vous savez, je commence à fatiguer, moi. Quelle heure il est tard. Est-ce qu'il est tard? Ah oui, il est 2 heures, ah oui. Ah oui, mais c'est parce que je gagne trop. Bon, évidemment, il n'y a pas de marqueur, hein, du coup. On va partir sur un mentor. Il va rien poser à cause de la chute. Ou alors, il oublie de la lire. Ce qui pourrait être très sympa. Non, il prédit des choses. Il prédit des choses de mauvaise aloi. Voilà, bon. Ça l'a retardé, de toute façon. It's time to Firja. Montez tous à bord. Ouais, c'était peut-être pas ouf mon play. J'aurais peut-être mieux fait de le garder pour plus tard et de faire la marche clairière sur l'araignée. Bon, émaille-toi le cul par contre, hein. Non mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous lancez votre deuxième sort, vous gagnez 2 points de vie. Et son deuxième sort, c'est quoi? Va falloir checker quand même ce que c'est ça. A chaque fois qu'elle a... Ah oui, c'est ça. S'il gagne plein de points de vie, il sera le plus fort et on est content pour lui. Eh bah c'est bien. Bah sauf que je vais quand même taper mon gars. Ah, j'aurais pu mettre le marqueur sur elle plutôt. Mais bon. C'est moi qui aurais plein de points de vie. Ah! Je savais même plus que ça faisait ça, mais très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Putain, mais ça pète ça, c'est juste une onco. En tout cas, en draft, ça pète. Complètement broken, Firja. Firja, elle fait le taf. Hein. On pourra pas dire qu'elle a servi à que dalle. Comment elle va sauter ta Valkyrie, mon gars? Ouais, ouais, super. J'ai une épée. Ouais, je vais mettre mon épée à ma Valkyrie pour 3 et là tu seras bien feinté. Non. Allez, ça dégage. Bon, ça déjà, ça vire.
Et puis on va protéger... On va garder Firja pour protéger... protéger l'arpenteur, là. Est-ce qu'elle la protège quand l'autre a plus 2, plus 1? Non. Bah si. Non, oui, on garde Firja. Non, on attaque avec Firja, on garde l'araignée. Après, il peut me péter l'araignée, quoi. Je serais pas fier. Ça fait quoi, ça? Je serais pas fier avec mon araignée pétée. Donc on est d'accord que si elle a un marqueur, en fait, quand elle meurt, ou qu'elle est mise en exil, on la renvoie dans ma main. Mais c'est une tuerie, ce truc. C'est une tuerie. Kaya, là. T'as pas l'initiative, de toute façon, avec ta merde. T'es juste une Valkyrie un peu plus vaillante que les autres. Allez, on va protéger cette bonne vieille Firja. Ah, merde, j'ai oublié de mettre un marqueur. Ça aurait été tellement plus malin, mais je le fais pas, parce que j'ai cliqué trop vite. On attaque avec Firja. Pouf. Hypothèse. Et là, on se sert de la capacité de l'autre pour remonter un ressuscité. Je suis sûr qu'il y a des trucs dans ma main. Dans mon cimetière, il y a quoi? Il y a quoi qui est balèze? Bah, il y a une autre araignée, tout simplement. On va remonter une araignée. Non, on garde ça, on garde. Pas greedy. Voilà, explosion, Macron explosion, voilà, bon. Et ça crée un jeton à un vol, c'est vrai. Ouais, garde la reste pour... Mais là, non, mais Firja, si elle mourait, elle retournait dans ma main. Bon, on est bien là. 5 victoires ou 4, je sais plus. 5, je crois déjà. Bah, c'est bien aussi ça. C'est bien aussi. On va essayer de mieux jouer la chute de l'imposteur. On a le passage vers l'arbre monde pour trouver le deuxième, la deuxième plaine. Eh ben non, on l'a déjà la deuxième plaine. Donc il n'y a pas besoin. Mais on va quand même faire le passage vers l'arbre monde. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Un deuxième marais? Y'a besoin de quoi pour jouer Freja? Y'a besoin de 2 forêts ou de 2 marais? Je sais plus. Deux marais, oui, on va chercher un marais. Non, on va attaquer. Non, on va... Oui, non, on va poser une bête. On va poser une bête. Alors... Ouais... Bah le v'là le marais. Bon, on a tout ce qu'il faut, les enfants. On a tout ce qu'il faut. On va assurer. Ah oh, merde, j'ai posé le mauvais terrain. Je voulais mettre la chute de l'imposteur. Bon bah très bien, on va aller chercher le deuxième truc. Ok. Voilà, j'ai misplay. Et on va chercher une forêt. Ce qui est bien, c'est que ça vide aussi le deck un peu de quelques terrains, de pouvoir faire ça. Donc du coup, ça veut dire aussi que t'as moins de chances de les piocher plus tard quand tu attendras des trucs sympas, quoi. Eh oui, c'est la catastrophe. Putain, il a claqué ça sur une 2-2. Il y a mieux à faire, il me semble. Oh là là, ça pète un peu, ça, quand même. Ok, donc, on est parti sur... des tokens... pour bloquer la 4-4. Bah on la tue la 4-4. Non, on la laisse passer. Tout. On est surtout à base de 4-4 en face, hein. Ouais, non, pas de blocage, ça ira. Merci.
On est surtout sur une base de... Ah ! Ça, c'est très intéressant, ça. Contact mortel. Contact mortel, quand même, hein, le gars. Comme ça, hop, elle, elle pourra aussi buter des 4-4. Et pour l'instant, pas d'attaque. En attendant, je subis. Bah ouais, bah vas-y mon gros. Moi je t'en tue un, hein. J'ai pas le choix. Faut t'en tuer un. J'ai pas le temps. J'ai pas ton temps, mon gars. Et ça continue, hein, sur une base de 4, hein. Tiens, bah comme ça. Hop. Merde! J'ai encore fait de la merde. Bon, on va poser les fidèles, on continue de temporiser. J'ai encore fait de la merde, je voulais poser Maja maintenant, mais tant pis. Fin le zediste. Ça va, hein, lui il a pas lésiné sur les grosses créas. Hein. Suffit que j'en tue une. Ah bah oui, parce que je suis idiot, parce que je lis pas les cartes. T'as meulé tous mes terrains, enfoiré. Du coup, ça va clean, hein, ça, bah, sauf s'il pose un truc plus fort, mais enfin c'est peu probable. Ça va clean la carcasse à la fin de le... Voilà, on va résoudre cet effet qui est quand même un bel effet. Et on va enfin poser la grosse Maja. Et on va peut-être la booster un peu pour qu'elle tienne un peu le choc. Et j'ai plus rien. Voilà, ça y est, je suis à poil, j'ai plus de main. Elle fait quoi d'autre, Maja, que... Parce que chaque fois, je lis pas les trucs. À chaque fois qu'un terrain... Ah oui, d'accord. Ah oui. Bah là, ça sert à rien. Ah si. Bah si. Bah si, ça sert, je vais pouvoir l'achever, ça, 1-4. Ah non, elle peut gagner plus 1 moins. Oh, bah, je lis pas les trucs, encore. Je lis pas les trucs. Ah, il peut pas péter Maja. C'est toujours ça de prix. Bah écoute, vis ta vie. C'est un peu chiant, ça, comme créature. La créature fluide, là. Prends le temps de lire les cartes, tu pourrais gagner plus facilement. Ouais, vous êtes des petits marrants, vous. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je réfléchis même pas, je voulais qu'elle se batte. Bon, au moins, il me reste toujours Maja. Ouais, non, ça y est, je deviens débile, mais en même temps, il est tard. C'est pour ça, c'est parce qu'il est tard. Il peut me la flinguer avec... Ah ouais, bon, d'accord. Ah, tiens, ça me fait un token, du coup. Cette fois-ci, on joue les terrains. On les garde pas dans la main pour faire style. Et puis bon, bah ça fait des 2-2, hein. Qu'est-ce que tu prépares exactement? Oh, redoutable analphabète. Tu m'empêches quoi de faire quoi? Elle peut juste pas se dégager, c'est ça? Ouais, bon. Elle reste casse-couille. Et il bute ça, d'accord. Il est en train de cliner sa main, là, surtout. Heureusement, ça va chier quand même un elfe.
C'est un peu un scandale si tu la gagnes celle-ci, pas nécessairement. D'ailleurs, regarde, il a rien en main. Il a rien en main. Il a un land en main, le gars. Il a un land en main. Et explosion! Wouh! C'est un peu un scandale, mais non, c'est pas un scandale si je la gagne. Il avait gardé son land en main pour faire le malin. Et j'ai plus qu'une victoire avant Gloria Gaynor. Maja for the win. Bah Maja, elle est bien, elle fait popper des petits trucs. Moi j'aime bien le délire. Allez, focus là, oui vous avez raison, il faut que je focus. Je commence à la connaître un peu l'extension maintenant. Je drafte que dessus là. C'est la der. Quoi qu'il arrive, c'est la dernière. Exactement. Oh là 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 là. C'est pas bon tout ça, j'ai pas de forêt. Bon. On va la garder parce qu'on a la sentinelle. La dernière fois, on s'en était sorti comme ça à base de sentinelle et de recluse. On va la garder. On va la garder celle-là. On va virer le retour à la marée. On va virer le retour à la marée. Le boss de fin, après, c'est les crédits. Mais... T'es classé quoi en standard, je sais pas, platine... Platine 2, un truc comme ça. Mais je fais pas vraiment gaffe. Enfin, je joue pas pour le classement, moi, je joue pour jouer. Ok... C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ça combotte. On va avoir notre mana... On va avoir notre mentor. Chaque fois qu'un autre elfe arrive sur le champ de bataille... Ouais, il va peut-être me la buter aussi. Hein. Chaque fois qu'un autre... Alors, lui, il est vert blanc. Vert blanc. D'accord, vert blanc. Vert blanc. Il va être aussi relou que moi, en gros. Platine en standard et en draft, ça veut dire que tu joues pas mal. Bah, c'est-à-dire que je joue beaucoup. Enfin, je m'y suis remis il y a un mois, quoi. Confiance, confiance, confiance. On joue le mentor au prochain tour. En se servant du maître de guerre. Oh là là, le fin. C'est le gros fin. Legme fin, même. Alors, allez, on fait le mentor. Ah, il tue... ah le mentor, il va tuer le fin. Oui, donc... Enfin, normalement. Et pouf, pouf, voilà. Pouf, pouf, tu veux du ralouf. On tokenise. C'est un peu la dèche, mais on tokenise. Tu pouvais bloquer là. Ah mais oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, j'avais oublié qu'elle avait la portée, l'autre. Vous voyez, encore une fois, l'autre qui lit pas les cartes. Petite sortie elfe, pas piquer des vers. C'est vrai. Pas piquer des bégonias même. Alors, tatac, je voulais dire. Tatac avec ton fin, ouais, petit buffle. Tu vas pas me niquer au rapace. Alors, oh, je dis oh, c'est pas ouf. On continue sur une base token. Bien ouais-je. Bah bien ouais-je, mais en même temps je peux pas passer là donc. Pas si bien ouais-je que ça. Elf égale vert égale forêt. Oui. On est pas mal en token là. Ouais, on est pas mal, tu parles. Après, les 3-2 là, elles sont pratiques aussi. Ah! On peut ressusciter les drogues.
Tu veux la drogue ? On va pouvoir commencer à attaquer avec les 3-3 en fait. Voilà. Et quand elles seront toutes les deux mortes, peut-être qu'il sera temps de les ressusciter toutes les deux. Parce que je peux soit en remonter une créature dans ma main, soit en remonter deux si elles partagent un type. Je pourrais tout à fait remonter les elfes. Deux elfes. Ou à un moment, il va peut-être me péter le maître de guerre. Et donc ouais, en tout cas, je m'en servirai certainement pour remonter deux elfes. En tout cas, en attendant, je tape à 3 avec ce stratagème de haut vol. Et le faucon ne passe plus. Tu vas pouvoir faire le pouvoir de ton maître de guerre. Bah non, il est trop rush, c'est 7. C'est 7 le pouvoir du maître de guerre. Ouais, donc on part sur un délire à base de barque. C'est super ça. Enfin, c'est super. C'est décent. Mais il me semblait que c'était... Ah, c'est pas un elfe, putain, j'étais sûr que c'était un elfe. On garde les tokens pour bloquer. Puis maintenant, bah, on attaque, quoi. Ouais. Pas mal le mono vert, c'est vrai que là... Ouais. Mais bon, c'est pas... Ton fin, là, il est pas magique, hein. Mon couillon. Enfin, je suis quand même relativement précaire. Hein. Et il y en a un qui passe, selon toi ? La 3-3, là ? Moi, je prends les trades, hein. Je m'en fous. Si t'attaques avec ta 3-3 pour la booster avec l'avantardise, je bloque, j'ai des jetons. Hein. J'ai des jetons. Bon, non, j'utiliserai la chercheuse. Alors, il va me falloir un autre marais, peut-être, et une plaine, un truc comme ça. Il va me falloir une plaine. C'est bien parce que je pourrais enlever les pas mal de terrain de mon deck. En tout cas, je vais attaquer. Voilà. Pouf. Et il garde Finn. Le contact mortel sur l'araignée. Je sais pas ce qui branle. Ah, voilà. Ça, c'est ce qui m'emmerde. Ça, c'est ce qui m'emmerde parce que je vais nettement moins pouvoir attaquer maintenant. Et là, il va peut-être utiliser sa barque pour attaquer avec sa 3-3. Non. Écoute, nous, on va rester au même régime. Tac, 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 tac. On reste au même régime. Ah oui, je voulais faire ça là. Voilà, c'était ça que je voulais faire. On va chercher du noir d'abord. On va chercher du blanc. On va chercher un land. T'inquiète pas, on va chercher un land. Il est obligé de bloquer des trucs là, tu peux pas rester comme ça mon grand. Bah voilà. Allez, claque ton fin là. Donc il y en a un qui passe, il garde son fanfaron. Il garde son fin. Oui, bah claque ton... Au pire, oui, claque ton truc, là. Quel ennui. C'est bon, t'es décidé là, tu changes plus d'avis. Alors, on a quoi là dans le cimetière? Est-ce qu'on a... Ah non, on n'a pas deux elfes. Donc ça sert à rien. Pour l'instant, donc on reste comme ça. Deux guerriers, ah, humain et guerrier, elfe et guerrier, mais oui, j'aurais dû le faire.
Oh là 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 là, c'est pas un éphémère. Si, moi je le ferai à la fin de son tour du coup. Ok. Et oui, j'ai focus sur les elfes, mais bien joué, merci le deck. Merci le deck, merci. Oh putain. Merci le chat. Redonnez-moi Freja là. Et c'est la folie dans les studios! Écoutez, si j'ai pas assez de terrain, je vous le dirai. Booster, mais booster ça coûte 7. J'ai pas 7 là. Je pourrais booster au prochain tour. Là je n'attaque pas et au prochain tour je booste. Par contre, c'est vrai qu'il faudra peut-être me le redire de booster. Avec la sentinelle. Mais non, la sentinelle elle booste pas, elle fait du mana. Bah t'as plein de tokens, tu peux les engager. Engager. Non non, ça marche qu'une fois ça. Mes tokens ils font pas du mana hein. Si je l'engage une fois, j'engage un perso et... Ah j'aurais eu cette mana, ah oui d'accord. Prochain tour c'est win, bah normalement, Inch'Allah. Je bourre avec tout, comme un gros craspouille. Qu'est-ce qu'il a mis là? C'est quoi ça? Gna 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 gna. Quoi? Si une source qu'un permanent que vous contrôlez, prévenez une de ses blessures. A chaque fois qu'un autre permanent que vous contrôlez devient la cible d'un second. Bon, ça on s'en fout. Ok, bon, bah. Tu vas pouvoir prévenir une de toutes ses blessures. Très intéressante ces pyramides. Boum! Et j'ai envie de dire...
Et on a un chariot nul. Bah non, tiens, je remarque qu'il est dans mon deck. On a forgé l'épée et on a... En fait, moi, je veux des jokers, moi. Je veux des jokers rares, c'est ça qui manque tout le temps. Peur paralysante, -3/-3. Ok. De toute façon, moi, ce que je préfère, c'est les drafts. Voilà. Ce que je suis le plus content d'avoir, c'est les gemmes pour pouvoir continuer à jouer. Pas ce soir, évidemment. Là, je pense qu'on a fait le tour de la question. Mais voilà, moi, c'est ce que je préfère, les gemmes. Réaction à El Airi. Ouais, le mec, je le connaissais, hein, le mec qui a mis la misère à El Airi. C'est un ancien de je sais plus où, d'ailleurs. Bon, je vous envoie chez... je vous envoie chez MV, tiens. Allez, hop. Je vous envoie chez MV, qui est toujours sur son GTA RP. Gagner à Magic, c'est un truc de mal alpha. Exactement. Exactement, vous avez tout compris. Vous voyez complètement comment je vois le jeu. Et voilà. Et ben, c'est super. C'est super. J'adore gagner. Putain, j'adore gagner. J'adore gagner. Et ben merci d'avoir suivi ce stream plein de victoires. C'est quand que tu fais du GTA RP? Bah s'il y a un serveur de Ligue 2 un jour. Voilà, parce que moi je suis pas en Ligue 1. S'il y a un serveur de Ligue 2. Merci pour la nuit Magic, bonne soirée à tout le monde. Allez, ciao. Mentalité de winner. Bah oui, oui, oui. Toujours, il faut. Je vous envoie chez MV. Un classique. Et ADPGP qui vient d'arriver. Bah j'ai tout gagné, j'ai gagné le draft, j'ai fait les 7 victoires, voilà. J'adore dire que j'ai gagné. Je vous ai dit que j'avais gagné, parce que j'ai gagné. Ciao.